préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Ça va mon vieux? Ah Riz, mais ça va et toi? Oui ça va. Je vais appeler les collègues. Mais vas-y. Waouh. C'est quoi ce super... mon téléphone qui me parle en espagnol. Ça s'est bien passé le voyage? Ouais, je suis quand même pas mécontent de revenir ici. Mais il va sticker la merde. Il va sticker la voix. C'est 07 le capitaine? Il va choquer, il va avoir Riz. Allô? Oui capitaine. Oui? Oui, je suis sorti de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui va pas? Je fais un AWC là. Vous pouvez me chercher à l'aéroport? À l'aéroport? Oui. J'arrive, Riz, j'arrive. Je vous attends. Oh putain. Je suis avec un ami. Oh putain. On arrive. Merci. Ah, ça fait bizarre de revenir ici, hein. Ouais, c'est bien étrange d'avoir une chambre plus grande que d'habitude. Je vais aller me faire un bon burger, ça va être pas mal, ouais. Toi, tu m'as dit que tu faisais quoi déjà avant d'être à l'hôpital? Moi? Oui, toi. Bah oui, toi. J'étais un bûcheron. Bon, un métier pas trop compliqué, mais... Vous savez, j'y vais dans la campagne, dans les bois. Mais ça gorge, dans une heure, il est mort. Quoi, tu veux toujours rentrer chez les flics? Mais bien sûr, servir et protéger. Mais bon, ça va être compliqué, hein. Pourquoi? Il faut qu'il aille la BCSO. J'ai oublié des trucs. Ouais, t'as toujours tes problèmes de mémoire à court terme là? Ouais, c'est un peu chiant, mais j'essaie de me contrôler. Faut juste que je prenne mes médocs, quoi. Mais tu sais où je te verrais bien? Ouais, vas-y, dis-moi. Toi, il faut vraiment que tu postules au BCSO. BCSO? Oui. C'est ben, faut voir. Pourquoi c'est mieux que les LSPD? Bah, je trouve que ça tirait mieux. J'en ai parlé comme ça. Mais vous êtes pas en train de faire un délit de faciès, monsieur l'agent? Non, mais pas du tout. C'est juste que... Putain, j'arrive... Attends. Ouais, continuez, allez-y. Non, mais c'est juste que ça correspond mieux à ton caractère, quoi. Bah justement, je pense que les flics, il faut qu'on leur mette un coup de pied au cul. Et qui mieux que moi, James Harrison, pour ça. Quoi, vous pensez que je suis un peu trop brute de décoffrage? Non, pas du tout. C'est juste que... Genre là, vraiment, je te vois bien dans un uniforme de la BCSO. Ouais, c'est que tu veux pas m'avoir sur le dos, c'est ça? Je t'assure, je te jure que non. Eh ben alors, je vais mettre un uniforme de flic avec une petite cravate, j'aurais l'air d'une... Ah, ok. Mais ça m'ira très bien. Ouais. Au pire, je ferai la circuit, en fait, c'est le champ lexical. De papier. Oh, t'inquiète pas, ça va rouler droit. Écoute, normalement, le capitaine, je le connais. Il devrait te pistonner assez facilement. Il est sympa, ce capitaine. Très gentil. Il s'appelle comment, le capitaine? Il s'appelle capitaine? Ouais, c'est vrai, ça. Je sais même pas. Mais c'est pas le nom de votre capitaine? Enfin, je l'appelle capitaine, quoi. Bah je lui demanderai, comme ça vous aurez pas l'air trop con. Oui, oui c'est vrai que non, je l'ai toujours appelé capitaine. Ok. Dis-toi, personne ne m'a envoyé un message. J'ai pas reçu un message là pendant toute ma détention. Eh ben franchement les collègues ils ont pas l'air de vous apprécier hein. Pas un message, pas un appel, rien. Bah je vous ai envoyé des mails. Non, vous m'avez rien envoyé capitaine, comment vous allez? Riz? Oui. Quoi? Pas mort? Ça va pas la tête? Wow, ça va mieux? Oui, ça va mieux. À peine débarqué, vous pointez déjà mon pote de votre flingue. Je vous présente mon ami James. C'est vous le capitaine? Oh putain. Enchanté, je m'appelle Harris. James Harris. Je l'ai rencontré. À l'hôpital. Vous êtes un vrai américain. Vous premier geste de retrouvailles, vous pointez votre flingue. Ça. Non mais attendez, là on est sorti, on est soigné. Hein. D'accord, ok. Bonjour, je m'appelle Harris, James Harris. Enchanté Harris, moi c'est Wong. Ok Wong. Et vous êtes? Je suis le capitaine du LSPD. Et c'est quoi votre petit nom? Jason Hopkins. Monsieur Hopkins. Moi c'est Harris, James Harris. Ouais. Il a des problèmes de mémoire à court terme. Et donc du coup, l'hôpital a dit que vous étiez apte à reprendre du service, c'est ça? Oui, ça y est, là, tous les deux. Absolument, sinon je serais pas là. Ou peut-être que j'aurais trop cassé les couilles, je ne sais pas trop. Mon oreillette. On va voir ça dans un bureau. En tout cas... Vous avez perdu vos cheveux? Ouais, je me... J'ai failli pas trop connaître, hein. En fait, je me suis rasé les cheveux pour faire un... Mais il les a pas perdus, vous voyez bien la magnifique contour, là. C'est une sorte de reset spirituel. Il va falloir attendre que ça repousse, du coup. Hein. Mais t'as pas bronzé aussi, un peu? Non, 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 j'ai pas bronzé. Au bord de plage, c'est beau, ça. Je prends le taxi. Taxi? Non. Il vous a pas attendu, je crois, non. Taxi? Non. Taxi. Non, il voudra pas. Bah, attendez, vous allez pas laisser le capitaine galérer. Ah, bah non. Bonjour, monsieur. Et capitaine? Oui, je monte avec vous, capitaine. Bah, on va prendre le taxi. Je monte avec vous. James, sois gentil avec eux, hein. Vous connaissez pas? Mais bien sûr, je suis adorable. Allez, on se retrouve au PDP, du coup. Ouais. Oui. Nous souhaiterions aller au poste de... Non. Monsieur, non. Monsieur. Mais faites une réquisition. Monsieur, votre taxi. Attention. Vous avez vu, je suis vif depuis la dernière fois, hein. Attendez, mais c'est... un bruit de coup de feu, ça? Hein? Attendez, retirez avec votre arme. Quoi? Ah oui, j'ai un problème. Ah bon? Oui, bon, je réglerai ça après. Bon, ça va, capitaine? Bah, ça va, et vous? Oui, ça va. Je crois que c'est parce que j'ai fait la mise à jour GTA, mais j'ai pas fait en entier. J'ai pas reçu un seul appel, hein. Rien, capitaine. Bah oui, mais quand vous êtes en hôpital, vous avez pas de téléphone, hein, Riz. Bah bien sûr que j'avais mon téléphone. En fait, le problème, c'est que... Mais moi, je voulais vous envoyer des messages, mais les médecins ne voulaient pas vous donner votre téléphone. La crise de tous ceux que vous avez connus, ben, on n'est pas nombreux. Hein. Attendez, comment ça? Coupette. Is dead. Karim is dead? Is dead. 9-2. Is dead. Arrêtez. Bon, voilà, il y en a beaucoup aussi qui sont partis en vacances. Orlando? Mais... Orlando, il est là, Orlando. Orlando, il est là. Orlando, il est là. Incroyable. C'est un survivant. Capitaine pour Orlando. 42. 42 est toujours là. Il est shérif maintenant. Ok, 95. Vacances. Ok. Et ça me stresse vos cheveux, vraiment. Bah oui, mais bon. En fait, c'est comme. Vous voyez les moines? Oui. Ben, en gros, c'est pareil avec moi. Vous voyez les moines quand ils estiment qu'ils ont fait des bêtises et qu'ils veulent repartir sur une nouvelle personne, ils se rasent la tête. Bah là c'est pareil. Donc là vous repartez à zéro, quoi. Oui, je repars à zéro. D'accord. Je suis un nouvel homme, non, je suis pas rookie. Bien sûr que non. Non, je suis SLO. Non, vous étiez SLO, vous n'êtes plus SLO, Riz. Comment ça? Je vais pas vous remettre rookie parce que vous êtes un bon élément quand même, mine de rien. Oui. Mais vous n'êtes plus SLO. Mais pourquoi je suis plus SLO? Parce que les choses ont changé. Vous allez être officier 2, Riz. C'est bien, officier 2. 3. Ok, pour toi. SLO. Non, officier 3. Mais capitaine. Officier 3. Non, vous avez pas changé, hein. Si, j'ai changé. J'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? C'est un concept, capitaine. De quoi? Rappelons que ça peut être un concept, les taxis. C'est incroyable, les taxis. Oui, hein, c'est incroyable, oui. Et Harris, vous avez déjà travaillé dans le SPI, vous? Mon bon vieux PDP. Absolument pas. Ah. En fait, je vous explique, capitaine. Je l'ai rencontré en hôpital. Mais ma foi et mon cœur, ils sont américains. C'est ça, mais il mérite une deuxième chance et je lui ai dit que j'allais toucher deux mots à son sujet auprès de vous. Ok, on va en parler alors. Et vous m'avez l'air bien sympa, faites-moi un contrôle psychologique, vrai, je suis apeteux à tout, hein. Oh là là. Bah, je vais vous poser quelques questions, pardon, on va voir si vous êtes apte, d'accord? Mon PDP. Pas de problème. C'est qui celui-là? Bonjour, qui êtes-vous? Vous me faites des mises en situation, là. Bonjour, mes respects, officier 2-20. Je vais te poser quelques questions, oui. D'accord. Okay, je m'appelle Riz, enchanté. Enchanté, monsieur Riz. Vous savez quel âge, Riz, déjà? Gardez votre matricule, 113? Bien sûr. 45? Ah oui, donc vous avez de la bouteille un petit peu, quand même. Exactement. Ah oui, c'est vrai, Chris, je dois draguer tout le monde. C'est vrai, pardon. J'avais oublié. Putain, mais des fois, j'ai l'intonation de Sacha, là. Il faut que j'arrive à la gommer, ça va prendre quelques minutes, quand même, hein. Voire quelques heures, hein. Oui, ici, Harry se trouve la salle de dispatch, d'accord? Ok, très bien, salle de dispatch ici. Incroyable. Du coup, Riz, vous faites votre tour au sein du département, d'accord? J'ai deux conditions à cela. Oui. Lesquelles? De 1, pas de fusil à pompe. Non, justement, j'allais vous le dire, il est où mon fusil à pompe? Non, pas ce soir, okay. Demain si vous voulez. D'accord. Ce soir, chill. Oui. Fusil à pompe. Et j'aimerais bien vous voir au moins une soirée avec une tenue des forces de l'ordre. Donc tenue bleue. Vous pouvez bien me faire ce plaisir. Je ne vous ai jamais vu en tenue de patrouille. Putain, ça me rappelle une ancienne conversation, ça, avec 04. Est-ce que tu t'es déjà mis en tenue de patrouille? Oui, oui, bien sûr, à mes débuts. Bah voilà. Au moins ce soir. Demain tu pourras reprendre ton pompe, mais ce soir, chill. D'accord. Ah, c'est vous le capitaine, hein? Harris. Oui. Mise en situation. Quelle est la meilleure arme d'un agent des forces de l'ordre? Son cerveau. C'est bien. Vous êtes recruté au l'esprit. Waouh, c'est excellent ça. Il a vraiment jamais été policier. Faudrait quand même qu'il fasse les formations rookies, toi. C'est de la PA accélérée, ça, capitaine. Y a pas de formation. T'as jamais été. Attendez, non, il faut qu'il apprenne. Ok. Il y a une formation prévue bientôt? La Police Academy. Bah oui, on peut faire ça, oui. Attends, je reprends ma radio. James. Oui. Tu vois la Police Academy ou 02, venez à Satisfaction. Ça va être tes meilleurs moments. Vraiment. Apprécie-les bien. Qui c'est qui fait... vous... Il est là chez Imus? Au début. Non, il est parti depuis longtemps. Il est sous mandat d'arrêt, lui. Ah. Il avait tué... Comment ça s'appelait? Je sais plus comment ça s'appelait. Le seul que tu connais encore, c'est bah moi on s'est connu et Orlando, je crois. 37 aussi, il connaît. Oui. On se connaît, toi et moi? Oui. Ah bon? Rappel... Oui, j'avais pris un coup de couteau, rappel. Un coup de couteau où? Oui, même que le blâme que j'avais pris, c'était... J'étais dans Tabana et 04, il avait pas aimé, grande discussion par rapport à ça. Ah oui, je me rappelle! Oui. Ça va? Oui, et toi? Ça va. J'en suis sûr qu'ils s'en souviennent pas. Hein. Bien sûr que je me rappelle. Si. Bien sûr que, mais bien sûr que si, je me rappelle. Je vais vous poser quelques petites questions de la Police Academy à Harris, d'accord? Oui, allez-y, je vous écoute. Prends le dossier. Oui, on lui avait coupé les cheveux. Oui, on l'avait déguisé avec une belle jupe orange. Oui, une robe. Oui. Je me rappelle. Enfin, je me rappelle de l'action, je me rappelle pas de lui. Donc c'est des questions pour voir votre présentation, mais évidemment vos motivations et savoir qu'est-ce que vous savez donc de la vie de tous les jours. Je personne d'autre. Mais sur les forces de l'ordre, ok. Et qu'il faut se lever, ok, très bien. Donc déjà, on va vous demander de vous présenter, d'accord? Oui. Moi je me présente, je suis le capitaine du LSPD, Jason Hopkins, matricule 07. Ok, enchanté. Présentez-vous. Moi je suis... James Harris. J'étais un ancien bûcheron et après j'ai été enfermé en hôpital psy. Parce que j'avais énormément... Comment? Pour quelle raison? J'avais des petites pertes de mémoire à court terme. Et le problème c'est que j'avais des petits vices d'alcool et surtout de jeux d'argent. Ouais, mais le problème c'est que j'oubliais que je jouais, donc je rejouais. Bonsoir madame. Donc je rejouais. Là vous ne les avez plus. Absolument pas, sinon on m'aurait pas laissé sortir. C'est quoi votre matricule, madame? 02. Enchanté, 02, moi 113. Risque chrono. Quelles sont vos principales qualités? Pour vous servir, madame. Capitaine, si je puis me permettre. Je suis un homme d'action et je suis quelqu'un de plutôt réfléchi, je dirais. Très bien. Quels sont vos défauts? Je suis un homme d'action et je suis quelqu'un de plutôt réfléchi, je dirais. Quelle est selon vous la définition d'un bon policier? C'est être un homme d'action et plutôt réfléchi, je dirais. Que vous direz, d'accord. Que pensez-vous du BCSO? Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec eux? Ah bah oui, surtout si c'est des hommes d'action et réfléchis, je dirais. Ok, mise en situation, d'accord. Votre frère, imaginez que vous avez un frère, d'accord? Il s'est fait kidnapper. 05. Oh mon Dieu. Les ravisseurs vous demandent de tuer 3 innocents contre la vie de votre frère. 02. Si vous refusez, votre frère... Tu peux me prendre en photo mourra. Avec le logo là derrière, s'il te plaît. Quelle décision prenez-vous? Oui, besoin. Attends. Appelle les collègues. Là, il n'y a pas d'appeler des collègues. Là, c'est soit... Ah merde. votre frère, soit trois innocents. Ah bah Rick le fraté, hein, malheureusement. J'essaierai de tout faire pour essayer de désamorcer la situation, mais... Bah oui. Malheureusement, il n'y a vraiment pas le choix, je n'aurai pas trois innocents, malheureusement. Surtout des personnes qui n'ont rien demandé. Gratte-toi la gorge autant que tu veux. Et range tes doigts aussi. C'est bon, tu m'as pris? Oui, c'est bon. Vous et votre meilleur ami, vous êtes en service. Oui. Peu après, vous surprenez votre ami en train de voler des objets dans les saisies. Donc, par exemple, si vous voyez Riz voler dans les saisies, d'accord? Que faites-vous? Vous fermez les yeux, vous menacez votre ami de prévenir la hiérarchie s'il ne remet pas ce qu'il a pris? Bah, je lui dis d'arrêter tout de suite, oui. Et si Riz, par exemple, là je prends encore l'exemple, si Riz il vous dit... Je dirais, mais il n'y a personne qui va me connaître. Là, j'étais certif. Oublie. Comment vous réagissez? Bah, je me demande si c'est dans le cadre d'une enquête ou quelque chose d'important. Mais si jamais, non, peu importe. Si quelqu'un vole, je dirais d'arrêter. S'il n'arrête pas, je viendrai vous voir et je vous demanderai conseil avant tout. Très bien. Vous êtes sur une prise d'otage. Les ravisseurs sont lourdement armés. Très Quelle arme favorisez-vous? Là. Mon cerveau. Bonne réponse. Si un individu se rue vers vous avec un couteau, que faites-vous? J'ai rien, je suis à main nue comme ça. Je me rappelle jamais de la personne, le sang ne m'appartient pas. Regardez, on m'a envoyé quoi? Le OG découvert en caleçon qui danse après s'être fait raser le crâne, je suis mort. Bah, en fonction de la distance. Oh, Rangerton! Je le préviens une fois, deux fois, et si je vois qu'il continue de s'approcher, ben je le neutralise. Sinon, si j'ai pas le temps, je cours. La bonne réponse, fallait lui tirer dessus. Hein. Avec un couteau. Vous neutralisez. Ah, vous neutralisez. Couteau, vous neutralisez. Très bien, c'est noté. Alors, question culture générale. Mais si, je m'étais battu de cœur. Les 13 bandes du drapeau américain. Écoutez, je suis américain, je suis censé savoir ça. Bah oui, vous avez dit. Bah oui, du coup. C'était qui elle déjà? C'était Luna? La question sur les étoiles. Attends, mais Luna, c'était la meuf de Riz. Alors, dites-moi. Les 50 états. Ah bah oui, c'était la meuf de Riz, oui, c'est vrai. Dans quel état sommes-nous du coup? Los Santos. Ah oui, Luna et Ivy. Très bien. Où se situe la maison du président américain? À Washington. Comment elle s'appelle? La Maison Blanche. Je vous l'ai dit, lui c'est le futur fusée. Hein. Ah oui, oui, je vois ça, oui. Vous connaissez un peu la ville, Harris? Ouais. Très bien. Vous savez ce que c'est la DOA ou pas? La DOA? Oui. C'est un genre de service anti-drogue, non? Parfait. Ah, comment s'appelle l'observatoire de la ville? L'observatoire? Ou du moins la mairie. Ça a un nom cet endroit. Comment ça s'appelle? Non, c'est trop incroyable, Riz. La mairie, je vais pouvoir retabasser des gens. Dans la haute montagne, là, on est d'accord, hein. Après, c'est qu'on se suivait, mais de pas très loin. Ah, c'est la mairie du Sud. Ça s'appelait Galiléo. Ah, ok, très bien. Citez-moi 3 postes de police à San Andreas. Voilà, le OGD ouvert. Oui. Alors il y a celui-là, le... J'ai dit non tout à l'heure. Lui, le LFPD. J'ai trop hâte de tabasser des gens. Ce poste. Oui, oui. Il a vraiment écrit, hein. En gros. Ah oui, Mission Row Police Department. Un autre? Il y a la BCSO. Non, c'est dans le nord, c'est pas San Andreas. C'est des noms de postes. Ah. Oh, Seamus! Bah, écoutez, j'essaierai de les apprendre au plus vite. Ok. Quelle est la devise du LSPD? Protéger et servir. Oh. Ok. Oui, oui, c'est bien. Êtes-vous plutôt un leader ou un suiveur? Eh, ça enquêtait quand même, hein. En vrai, j'enquêtais, hein. En général, je suis plus un suiveur, mais s'il faut faire preuve d'initiative, je serai pas le dernier. Ok. Dans une course, si je double le dernier, je me retrouve à quelle position? Avant-dernier? Mais non, dernier. Ah, c'est pas possible. Si je double le dernier. Mais c'est pas possible de doubler le dernier. Bah si. Bah si. Ah non. Du coup, si vous doublez le dernier, c'est que vous êtes à quelle position? Ah, premier. Eh oui. T'es bon, capitaine. Ah ouais, mais moi, je voyais pas que vous faisiez des tours de terrain en rond. Bah oui, on savait pas que c'était une boucle. Bah oui. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Ok, il reste 3 questions, d'accord? Allez-y, allez-y. Quelle est votre pire faiblesse? Et du coup, comment y remédiez-vous à cette faiblesse? Je suis toujours à l'esprit. Ma pire faiblesse? Oui. L'impulsivité. Très bien. Et comment vous y remédiez à cela? Le fait d'être impulsif. Je crie un gros coup. Ah mais ça a dû changer ça. D'accord. Allez-y, montrez-nous. J'aimerais bien, mais à cette heure-là, c'est compliqué. Ok. Ok, très bien. Selon vous, pourquoi la hiérarchie passe avant tout? Parce que vous êtes les chefs, les cerveaux. Et du coup, au début de cet entretien, je me suis présenté. Oui. Donc vous allez me dire mon nom, prénom, matricule et grade. Vous êtes le capitaine 47. Oui. Et non, 07, pardon. Bien. Et votre nom Après, il a des problèmes de mémoire à court terme. Bah, vous connaissez, vous, mon nom, prénom? Bien sûr. Hopkins. Jason Hopkins. Oui, parfait. Bon, capitaine, quand même. Il y a des sessions de prévues pour, comment dire, pour les rookies 20 demain ou après-demain demain, après-demain. Pour apprendre quoi, tirer, tout ça vous apprendre les bases, quoi. Ah, total. Ah, vous voulez qu'on nous fasse une format? Oui. Une format rapidos, quoi. Oui, je suis très maniable avec les armes. Mais tout en prenant votre temps, bien expliquer les choses, quoi. Bien sûr, de toute façon, le PPA et tout, il peut pas l'avoir directeur. Non, non, le PPA, vous serez demain soir. Très bien, vous allez donc du coup 20 va vous accompagner, d'accord, et il va vous montrer donc du coup là où vous changez. Je peux lui montrer, sinon je peux lui montrer. Hein. Oui, si vous voulez. Vous pouvez aussi. Ça vous c'est? Ah bah non. Voilà. Bon 20 vous allez. Donc vous n'avez jamais changé, Riz. Non mais le PDP a changé depuis la dernière fois. Ils ont plus de budget. Hein. Capitaine pour Orlando. Waouh. Venez au poste. Venez en salle de dispatch. Je lui donne tenue, je le fournis taser. Oui, attends, je vais donner son badge. Attendez, je vais en prendre un à mon bureau. Moi, j'ai encore mon badge. Hein. Ok, nickel. Et je comprends rien au nouveau truc. Et d'ailleurs, j'ai. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ben, la tablette. L'appel, par exemple? F10, là, ouais. Quoi? Dans les notifications, ça n'a pas changé. Oui, d'accord. On reprend l'appel ou on reprend les appels. Et maintenant. Oh l'ancien, ça dit quoi? Orlando! Ça dit quoi? Oh là là! J'ai cru que t'étais mort! Je suis ton supérieur, ça me régale. T'es quoi? T'es quoi? Je suis au FU3. Bah oui, je suis SLO. J'ai con quoi lui. Je sais pas qu'il revient SLO. Pourquoi je suis bloqué 2 semaines là? C'est bon. Ah putain! Non, mais attends! Peut-être que je vais démode d'un grade, mais sinon je suis officier 3 aussi. Ouais, faudra voir ce qui te met. Attends, mais tu étais pas là au psychiatrique, toi? Si, j'étais en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu faisais chez les zinzins comme ça là? Longue histoire. Très longue histoire. Longue histoire. Ah ouais, tu as fait des bavures, toi. Oui. Voilà. Ouais, c'est des bêtises, ça. Oui, capitaine. Qu'est-ce que vous en pensez de son matricule 66? Non, je crois qu'il est interdit, non, ce matricule? Bah, je sais qu'apparemment, Swag, c'est même pas. Donc, bon. Mais pourquoi? C'est 2 chiffres. C'est le matricule du capitaine, du commandant suprême. Ah, il peut le prendre, je pense, non? Lui, il va aller au LSPD, lui? Oui. Allez, bienvenue sur ce. Alors, attendez, je sais pas. Non, je vais en prendre un autre. Attendez, je vais lui demander. Ben, c'est 22. Non. Messieurs, 70, c'est impossible. Ah, mes respects, commandant. Bonsoir. Non, 70, c'est mon matricule. Vous moquez de moi, quoi? Vous voulez une mise à pied, capitaine? Non, désolé, commandant, mais c'est pour ça que je préfère vous appeler, quoi. Bien, me redérangez plus, hein. Désolé, commandant. Capitaine qui se prend une pression. Il est où? Je l'ai appelé, mais je le trouve pas. Le commandant? Oui. Non, mais putain, à chaque fois je le rate. Je sais pas, donnez-moi n'importe quel chiffre, n'importe lequel me conviendra. Eh ben, c'est quoi votre chiffre favori? Pourquoi j'ai une M4? Je viens avoir un chiffre. Il en a pas. 71 et 72. La dernière fois que vous avez vu. Il y a combien de temps la dernière fois que vous avez vu? C'est le 13. Le 13? Matricule 13 est pris? Oui, c'est pris. Affirmatif. 97? C'est pris aussi. Et bah, vous savez quoi? On vous laisse le temps de trouver et quelqu'un vous dira oui ou non. 45. 45, c'est pris. 20 et comment ça s'appelle? C'est pas pris 45. 02. Non. Eh ben, va pour 45! Allez, 45, c'est bon. 20 et 02, vous l'accompagnez, tenue, tout ça, vous lui expliquez les bases, ok? Et demain, vous viendrez pour votre formation. Là, on va vous expliquer les choses tranquillement pour pas que ça vous embrouille trop. Non, mais sinon, capitaine, je le prends avec moi en patrouille, hein, et je lui explique. Quoi? Il va l'élever à la matraque, lui. Orlando, montrez-lui les ficelles de la ville un petit peu. Oui, mais de toute façon, j'ai plus aucun équipement. Mais non mais... 45 Orlando et moi on pourrait lui faire une formation vous, hein. Prenez Riz Orlando. Les agents que vous avez formés, vous êtes morts capitaine. Ok, c'est toujours 113 toi? Oui oui, toujours 113. Ils vont me baiser bon les speedy. Mais oui, ouais, là, oui. Mais non mon père... Non ne vous inquiétez pas, je suis très sérieux capitaine, vous êtes fou quoi. Quand même. Par contre, écoutez, moi je reviens sérieux hein. Je vais pas faire de bêtises là, ça y est là, je suis soigné. Ok, parfait. Bon Riz, allez lui montrer les quartiers. J'ai plus aucun excès de violence. Vous lui montrez, d'accord, les quartiers pour vous nous avez déjà, vous nous avez confondu, c'est mauvais signe. Orlando, non, tu accompagnes Riz, Chronos, tu lui montres les quartiers. Bah 02 au pire, elle peut venir avec nous. Ah moi je m'occupe de 45. Non, il s'occupe de 45. Avec 20. Je suis quel grade, capitaine? T'es officier 3. Ne vous inquiétez pas Riz, il y a mieux, il y a mieux. Merci. Oui. Bon, James, t'as un téléphone? Ah oui, bien sûr. 2451, c'est mon numéro, d'accord? Très bien, je t'envoie un petit message, mon lapinou. Bon courage. Occupez-vous bien de lui, hein. Bien sûr. 2451. Pas de bêtises, Riz. Aucune. Oui, allô? Ouais, allô, c'est moi. Ah oui, ça va, James? Bah oui. Bon, allez, je raccroche. Oui. Vous pouvez venir, sergent, ou pas? Tout le monde est mort? Tout le monde de l'époque? Oui. Ouais, hein. Karim est la mort. J'étais autant tatoué, non? Tu sais qu'il y a un connard, il a déterré Karim. Comment ça? Un mec qui s'appelait Clétus, il a déterré nos morts. Et mais Orlando, t'es encore en vie, je m'attendais vraiment pas, hein. Bah écoute, même moi. Oh, viens là, toi, tu vas pas faire ce qui t'est procédure. Mais j'ai pas de procédure à faire. Et t'es avec Kaloum, le pauvre, il est tout seul là. Kaloum, il fait, ben ça va lui apprendre à faire des interros. Et toi, tu m'as dit que tu faisais le DA. Je peux mettre la tenue que je veux? Mais attends, mais j'aime bien moi elle. Attends quoi? C'est la tenue de cérémonie ça? Non, celle-là. Ça, c'est tenue d'inter. Ouais, j'aime bien celle-là moi. Je vais mettre celle-là. Tu vas te faire niquer, tu vas te faire niquer. Oui, ben je me ferai niquer. Ah non, c'est pas une tenue d'inter. Bonsoir. C'est une tenue d'inter ça. Ça, c'est votre sergent, Riz. Enchanté, sergent. Alsan Yinch, il s'appelle. Alsan Yinch? Alsan le Yinch. Non, pardon. Aïe. Force à toi, mon pote. Ah, alors. Pas envie de dire de là. Tenez-moi. Bah oui, pour Riz et son collègue là. Il me faudrait deux matraques, deux tasers, deux menottes. Ok. C'est vu avec le capitaine? Oui, bah c'est vu. Radio, Glock, voilà. Tout ce qui s'ensuit quand vous le connaissez. Du coup, tu sais tuer quel grade ou pas? Je suis officier 3. Ok, alors c'est... ouais, tu prends une tenue d'officier. Et après, faudra mettre les petits badges là, comme j'ai sur les épaules. Hein. Oui. C'est pas très important. Bien, c'est ici. Je vais mettre une tenue d'inter. Mais t'es pas obligé de les récupérer à chaque fois ici, hein. Tu les as après... Ouais, voilà, ce que j'ai fait. Ouais, ok. Ton casier direct. Bah là, du coup, t'as perdu ton autre. Ah non, tu l'as encore, c'est bon. T'inquiète pas, je... Eh, 02 je suis pas nouveau, hein. Oui, non, mais ça, je sais, je me doute. C'est quel grade, 02? Moi, Ophi 2, pardon. Ophi 2 au casier, ok. Ouais. Ça va? C'est quoi ton prénom exactement? Ashley. Ah. Enchanté. Et toi? Moi, c'est Riz. J'ai jamais entendu parler de toi, pour le coup. J'ai jamais entendu parler de moi, 113, ça te dirait? J'ai accepté l'invitation du capitaine. Attendez. Non, pour le coup, non. D'accord, bon bah écoute, ok, hein. Je te dis. Mais écoute, oui, bah je sais pas. Bah du coup, vas-y, bah pars en... Attends. Poussez-vous là. Et sont mes affaires. Il est où mon pompe? Une tenue d'inter, Riz. Et alors? Mais c'est interdit quand t'es pas en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Comment il ouvre ce connard là? Comment ça, comment il ouvre? Mais c'est fermé ça. Mais non, c'est pas fermé. Je suis SLO. Mais je suis même SLO, je pense. Mais en fait, vu que j'étais SLO, genre je pense que j'ai encore les trucs d'avant. Vous avez déjà tout là, il manque plus que votre Glock 37 balles et vous serez bon. Ouais, pas obligé tout de suite quoi, bon. Pas grave. Vous pouvez me passer des balles, moi il me reste 14. Où sont les fusils à pompe? Non, vous en avez pas. Attends, il a refusé des munitions à son agent qui a que 14 balles de 37. Oui, porte plainte. Ok, je vais me plaindre au capitaine. Comme ça, tu portes plainte, tu fais plainte au sergent. Et voilà, tu vois. Matraque. Arme de poche. Merde. Bon, je vous attends sur le parking. J'arrive. Caméra. Radio. Vous êtes un ancien agent, vous, non? Oui. Très bien. Mettez une tenue bleue, du coup, Riz. Vous êtes qui, vous? Sergent 91. Bonsoir. Ah. Vous allez vraiment me forcer à mettre une tenue bleue? Je vais vous forcer à mettre une tenue bleue. Je suis de la MCD, moi, je suis un enquêteur. Vous êtes pas du MCD actuellement? Oui, mais à la base, je suis du MCD. C'est ça. Mais c'est pas une tenue MCD, ça. Oui, mais je suis habillé en noir, quoi. Pour baisser la radio. Mettez une tenue bleue, Riz. Oh, vous me pétez les couilles, sergent. Hein. Oui, je sais. Vous voulez passer quoi, là, sergent? Tout. Ok. Au restant de l'EPA, il a 3 menottes. Bah, trois clés pour menottes, une lampe torche, un Glock 37 balles, une radio. Non, pas Glock. Comment ça, pas Glock? Fou la haine. Non, non, faut qu'il passe le PPA. Non, il a pas de Glock. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pantalon en fait qui me fout la haine, moi. Ça me ferait plaisir de. On fera ça demain, t'être reposé. C'est pas le bon gilet, ça. Attends, viens, Riz. Quoi? Pourquoi t'as ce gilet là? Bah, je l'ai pris le gilet de la tenue d'Inter, il est plus beau. Ok. Je passe aussi, mais après décision capitaine, vous voyez. Oui, bien sûr, mais lui-même l'a dit, Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oui, non mais vous inquiétez pas. Vous bavez sur mon dos? Ils vont lui apprendre. C'est moi qui conduis, hein. Bonne patrouille. Il me disait que s'il y avait bien quelqu'un à pas mettre avec vous, c'était moi. Ezechan. Non mais attendez, non mais je suis à Nouvel-Aube, je suis à Nouvel-Chambre, non, c'est sérieux. Je sais que mon supérieur, hein, soit disant en passant. Là, les gens ils doutent, est-ce que je suis Rizzo, est-ce que je suis Soulax? Ils entendent ma voix, tu sais, ils se disent, oh, c'est qui? Ah, bah non, aucun rapport entre votre voix et celle de Soulax. Oui, non mais si, parce qu'on nous a dit qu'on a déjà le même grain un peu. Non, pas du tout. Ça va, Orlando? Oui, très bien, ça fait très longtemps. On va aller au magasin de vêtements. Mais t'es encore keuf, toi, sérieux? J'en ai marre là. Ça fait saturation. Ça fait 1000 ans quand même. Non, mais au moins la Major Clown Division c'est fini et la DOA se porte bien. Ok, bon, je vais me faire une. Comme des petits je vais me faire une tenue parce que là ça va pas. Ils me forceront pas à mettre leur habit de merde. Toi, tu vas intégrer quoi comme brigade là? Ça existe plus la MCD? Bah, la MCD en fait maintenant, il y avait tu sais la MCD côté gang et la MCD côté crime. Oh, les tenues de fou que j'avais. Et ben la MCD côté gang en fait ça s'appelle la DOA maintenant. Ouais. Donc là t'as la DOA, c'est drogue, gang, tout ça. Non mais franchement j'avais trop de flow hein. Et ouais de ouf. Et MCD c'est la crime donc c'est tout ce qui est les crimes, enquête, etc. Oula ouais, flow de ouf quoi. Pousse-toi. Oh, le flow est terrifiant quand même. Hein. Non celui-là, là j'avais du flow là. Pas de ouf hein quand même. Là on dirait vraiment un gangster quoi. Bah oui c'était un gangster qui me l'avait fait la tenue. Ah bah oui. Oh putain, alors lui c'est qui là? Vous l'avez chopé à l'asile? James? Ouais, 45. Ouais. D'accord. Voilà. Oh, ouais, non, ça a l'air d'être un sacré numéro celui-là également. Ça va non comme tenue? Ouais, je pense ouais, ça va. Dans tous les cas, les capitaines ils vont me faire que vous dire mettez la tenue bleue, Donne-moi de l'oseille, Ouais, non. Il me faut 780. Tiens, tête de vieux. T'as une femme? T'as des trucs toi? Bien sûr, moi j'ai une femme. Hein. J'habite ici, là, j'habite au quartier de l'Afrique, juste à côté. Quartier de l'Afrique? Oui, c'est ici, là, c'est le nom du quartier. Comment ça, quartier de l'Afrique? Bah, c'est le nom du quartier ici, quoi. L'Afrique? Ouais, l'Afrique, quoi. Attends, mais pourquoi ils ont choisi ce nom? Autour du feu, les os dans les nez, tout ça. Pourquoi ils ont choisi ce nom? Ah non, mais c'est moi qui l'ai choisi. Ils ont pas eu le choix, quoi, en fait. Je l'ai choisi et voilà, quoi. Force à eux. Bon. Et maintenant tout le monde appelle ça le quartier de l'Afrique. Orlando. Parce que là maintenant toi t'es un ancien là. Du coup là c'est qui habite là? Oui. Le quoi? Qui habite là maintenant du coup? Donc ici c'est les 12, c'est les jeunes en moto. Ça c'est des connards, hein, je te le dis. Eux ils aiment pas baver et c'est des petits connards et ils se garent mal. Ah attends, moto en face, je vais l'amender. Mauvais stationnement. 12 000 d'amende en 2 jours, hein, cela. J'ai fait, un tweet, j'ai 0 fav, j'ai 0 like. Tu pourras me heurter s'il te plaît? Ah. Attends ma radio. J'ai le compte LSPD avec 120 000 follow si tu veux. Attends, ma radio. Je te ratio si tu souhaites. Ah bah oui, ma radio. Stationnement cringe. Hop. Dans sa gueule. Oui. 113 prise de service, bonsoir à tous. Bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Ah mais c'est vrai que j'ai 0 hype moi. Personne me connaît là, du coup tout le monde est mort. Aucun buzz. Ah oui, tout le monde est mort. Aucun buzz. Je pensais que les gens allaient faire wouhou. Ah oui, mais non. Ouais, non, c'est vrai que de l'ancienne, il reste personne un jour. Ah bah si, il reste toi, capitaine adjoint, je crois. 37. Mais t'es vraiment une merde, t'es encore là, non mais je suis choqué. Mais frère, Christian, moi je me régale ici. Oui, mais fallait au moins être sergent ou je sais pas. Bah non, mais en vrai là, je te mens pas, j'ai monté les grades archi vite. Et là, j'ai arrêté de focus les grades parce que m'en fous. Parce que ça m'a saoulé en fait. Il y a un mec qui est passé devant moi et j'ai eu trop le seum. Ce connard là. Mais ouais, je serais déjà SLO normalement là, ça me fait chier. Eux, attends, tiens, bon, là, prends le volant, comme ça tu me fais le tour des. On fait le tour des gangs. Alors ici tu as les Latin Kings, tu as une chicha dans leur quartier, eux c'est des bons. Viens, on va les contrôler, Je sais pas si un capitaine qui m'appelle. Oui, allô? Moi, vous n'avez pas pris de fusil à pompe? Non, j'ai un Glock. Ok, pourquoi vous avez demandé un fusil à pompe au sergent alors? Bah j'ai demandé où vous étiez les fusils à pompe pour me renseigner pour demain. Ah ok, très bien. Je suis pas là demain, faites attention à vous, hein, Riz. Ça marche. Ah, vous êtes pas là demain? Non, je suis pas là demain. D'accord. C'est qui ça? Bon courage. Eh, c'est pas Pocos. On peut vous aider à mettre un masque, monsieur, là? Vous prenez pour qui là? Un terroriste, c'est ça encore? C'est qui toi, Pocos? LK. LK, va contre le mur, va contre le mur, LK. De con là. Lui aussi, là, il est masqué là. Qu'est-ce que vous croyez là, à mettre un masque? Je suis armé et dangereux, n'essayez pas de me kidnapper, je vous le dis moi. Non, vous inquiétez pas, vous êtes bien chaud, il va falloir rien. Descends du véhicule avec le casque là. Dépêche-toi. Il dort sans cul. Non, il dort pas, contre le mur. Non, c'est bon. Titre de séjour, je vous ai dit, monsieur. Contre le mur. Qu'est-ce qu'il y a? Contre le mur. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? T'es masqué dans une voiture? Pocos Cortez? Si. Eh, Orlando! Ouais. On en est où de la loi là? C'est. C'est très strict. Genre. C'est strict là? Là je le fouille? Oui, non, alors je vais t'expliquer un truc, Riz, après. Quoi? Fais attention avec ta matraque, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? J'ai vraiment failli sauter Day 2. Non, mais attends, mais là en gros, lui il avait un casque dans une voiture là. Le visage dissimulé dans une voiture. Mais déjà, viens, mets-le là ton pote. Je peux les amender, viens Cortez, venez là. Ah, oui, je peux le fouiller, je peux le fouiller. Palpation seulement. C'est quoi palpation? C'est une fouille. Venez Cortez, oui, une légère fouille, juste la veste là. Les épaules quoi. Tu touches les mains quoi, comme un videur en boîte. Oh monsieur. Oui, je vois s'il y a un truc de dangereux quoi. Oui. Sur lui. Non, ici, si vous... attends, t'es sûr Orlando, je peux faire ça? Je vais vous palper. Oui, mais tu peux. Palpation. Voilà. Palpation, les gars. Ah oui, palpation. Par exemple, si t'as par exemple un calibre, une palpation, je le sens, hein. Ça va être les épaules. C'est quoi ça? C'est votre énorme beuton là, monsieur? Exactement, t'as tout compris. D'accord. Bon, je vais pas plus toucher que ça parce que voilà. Par contre, j'ai un chargeur là dans votre veste. Ça sort d'où ça? C'était. Vous êtes armé, monsieur, c'est ça? Non, je suis pas armé. En fait, j'ai trouvé des munitions et je me suis dit, bah, je vais les prendre. Vous êtes trouvé dans une poubelle ou une boîte à gants? Ouais, j'ai trouvé avec mon paxon. Pas du tout. Vous êtes trouvé où? Bah, ils étaient par terre. Par terre. Prenez-moi pour un con, je vais vous fouiller. C'est bon, avec les gants. Je vais mettre les gants dans le cul. On les a eu à Vespucci. C'est bon. On les a eu à Vespucci. Et donc, qui vous les a donnés? Des enculés d'Italiens. Voilà. Des Italiens. Vous voulez des noms? Corleone. Non, alors, non, ça marche pas. On est au courant. Comment ça, ça marche pas? On est quand même au courant. Il va contre le mur, toi aussi. Il va contre le mur là. Tu me propres mains. Il y a pas tout le monde qui est mort. Ils sont tous morts. Je vous assure, il y a pas tout le monde qui est mort. Bah attendez, les balles. Je vous assure, il y a pas tout le monde qui est mort. C'est pas périssable, hein. Pourquoi il a un holster celui-là? Fabio Corleone. Fabio Corleone. Pourquoi t'as un holster toi? Donnez-moi vos chargeurs là, si tu veux. Comme ça, j'ai ma tenue. J'ai fait du paintball. Tu fais du paintball? Non, tu fais du paintball. Lui, je l'embarque lui. On est juste derrière. Lui je le prends. Hein. Paintball airsoft. Hein? Paintball airsoft, dégagez les deux. Allez, cassez-vous. Allez, cassez-vous les deux. Cassez-vous, je le prends. Tu fais du paintball, fils de. Arrête, pousse-toi. Hein, tu fais du paintball. Allez, dans la voiture, monte dans la voiture. Par contre, t'as couché Orlando là. Ouais. Non, parce que je suis en Lincoln. Non, je vais rien faire. Allez, va dans la voiture. Paintball. Tu fais du paintball. Je vais faire du paintball. Orlando, ça va? Oui, je me rends compte que j'ai plus de métier dans 2 jours, mais ça va. Pour refaire un topo aux unités en radio, il y a 56 en cours sur une Sultan grise, du coup à côté, à l'ouest du Bénis directement. Prise d'otage sur Curtis par 3 personnes armées. Putain, il y a une prise d'otage. Un deuxième véhicule à proximité qui n'est plus actuellement, une Buffalo avec 4 personnes à l'intérieur. Attends, Orlando. Oui, mais il faut absolument que je ferme les yeux pendant une seconde là. Ok, et là les individus, les connards comme ça là. Il est où le mec derrière? Ah oui. Il est là, il est derrière. On poursuit qui là? Occupez-vous de lui là, moi je poursuis des connards là qui ont pris en otage je sais pas qui là. Curtis. 4 hommes armés. Oui, Curtis. Et il y a 2 véhicules? Il y en a qu'un, il y a qu'une Sultan devant nous, c'est les collègues. Nora 22, ils ont ça quand même, comment sont les collègues? King qui vient de repartir de l'endroit de dernier plan mule, à mon avis il va en avoir un second, faites attention. J'ai jamais vu ça. Oh, c'est qui avec le 4x4 là? Suffisamment d'unités sur place. C'est Cole, sergent-chef. Ah. Ouais, moi c'est le sergent-chef. Parle comme ça là. Oui. Elle est bien la musique, c'est quoi? Monsieur, arrêtez-vous. Passe Goldman. Prends le lead, t'es meilleur que lui. Oh là là, ouais, et voilà, et voilà, et voilà. Ah, je crache. Ah non. Comment ça, abusé, il m'a détruit le cul. Bah oui, c'est pas ta faute. Bah ouais. On se l'est fait, viens, on se l'est fait, viens, on se l'est fait. Attends, remonte, remonte, remonte. Vont bouger, vont bouger, vont bouger. De repartir dans le sud, direction d'Elbourg. On va prendre la Buffalo là qui a tenté de vous bloquer. La Dodge Charger qui vient de passer, de prendre le lead poursuite juste sur un virage, ne recommencez pas ça s'il vous plaît. C'est nous ça. C'est avec le parking blanc. Ouais, bon après. Ouais, t'inquiète, bah les couilles. J'ai essayé de le bloquer quoi. C'est qui le mec, là qui a parlé en radio là? C'est justement lui là, sergent chef. Ouais, ok. C'est con. Derek. Qu'on vous arrête pas, hein. Qu'on vous arrête pas, je vous le dis. Hein. On se sent con, hein. Qu'on vous arrête pas, je vous le dis. Hein. Vous voulez faire des plans mules, vous allez le payer très cher. Aïe aïe aïe, vous voyez ce que c'est la vie d'un flic? Et vous mettez dans le star, j'ai cru la laisser la prendre, je suis dégoûté. Vous nous faites des interventions pour rien. Vous allez payer. Pour être tout à fait honnête, je croyais pas que vous allez vous croiser. Toi ta gueule toi, toi ta gueule derrière. La prochaine fois que vous rentrez dans mon oreille comme ça en parlant, je vous gifle. Oui oui, toi ta gueule derrière toi, si je te mets pas au bout d'un pont toi. non Chronos, j'ai fait une bavure un jour. Et je peux vous dire, j'ai fini devant le tribunal, j'ai moins fait le mariole. Arrêtez-vous monsieur. Arrêtez-vous, mais sur ma mère! Sur ma mère, je vais vous secouer. C'est qui derrière? C'est qui derrière? On est suivi. Derrière nous, c'est le Derek, toujours. Et le sergent chef. Et pourquoi Derek est pris sur nous? Bah, je sais pas. Il a dû perdre son véhicule à cause du plan mule et il a recollé sur nous. C'est vous, Derek, derrière nous là? Ah merde, ma radio elle est. Ah si. Attends, comment je parle radio déjà? Merde. Attends, fais gaffe. Attends. Parce que là, je suis dans les commandes de ma radio. Compliqué la radio. Flashback. Merde, je parle à votre là. Quoi? Un peu, ouais. Ah. Arrêtez-vous, monsieur, vous êtes fichu. Ouais. Mets en évidence. Vous avez réussi à retrouver l'assultant ou pas? Mais pourquoi ça marche pas? Sur ma mère, c'est des zboulaves. Et attends, mais je te jure, j'appuie sur le bouton de ma radio, ça marche pas. Ouais, elle est bizarre la radio, je sais pas. C'est Curtis Gérard qui a été prendre. T'arrives des fois, t'arrives pas à parler dedans? Oui, attends, je sais comment t'expliquer ça. T'as c'est toi sur la poursuite, je m'explique après, de toute façon, y'a rien d'urgent. Débranche ta manette, quoi. Dans ta gueule. La manette? Oui. J'ai pas de manette. Ah bah alors, je sais pas. Ah si, peut-être, attends. Ah bah non. Si, ouais, si elle est dessus, on va te mettre devant pour le faire ralentir. Dans tous les cas, on vous laisse le lead de poursuite. Manette secondaire? Tant pis alors, je sais pas. T'inquiète. Genre la poursuite, tu me l'échappes, hein. Ouais, t'inquiète. Arrêtez-vous, messieurs! C'est terminé! Police! Non, toujours pas écrit. Attends, je mets un autre, tu veux dire peut-être? T'auras pas besoin, le véhicule fume. Oh, monsieur Cortez, là, derrière. Oui, dites-moi, je parlais plus, j'ai peur que vous me frappez. Oh, tu parles ou pas, on te frappera. Vous avez déjà fait un refus d'obtempérer comme celui-ci, là, une poursuite? Non, toujours pas écrit. Non, jamais de la vie. Vous êtes de quelle origine? J'entends un accent. Copie, latino. En PDP s'il vous plaît, je vais monter avec vous. On a retrouvé un sultan là, potentiellement devant la flica de Place des Cubes, je sais pas si elle. C'est pas ce qu'elle avait en anglais, non? Ah, c'est pas ça. Copie. Y'a une moto derrière aussi. On fait quoi là? On fait quoi? Bloque-les, mais bloque-les! Mais bloque la sultan, idiot! Mais qu'est-ce que tu branles? Tu branles quoi, Orlando? Oh! Oh! Waouh! Waouh! Mais c'est un BD, je sais. Ouais, Isabelle. 10-4. Ils ont un moins un pneu du coup. Non, mais. Pourquoi il leur a tiré dessus? Moi je suis gentil sur ça, je les laisse faire l'erreur, tu sais, là ils sont finis. Tu vois, y'a. Copie, je suis. Comme tu peux le voir, y'a deux types d'âge. On prend sur la sultan, désolé. Attention, attention, derrière. Ça, tu vois, c'est le chef des Wu, ça. Ah oui, mais c'est. Je le connais. C'est une merde, le sergent-chef. Pas de mouvement brusque, messieurs, Devon. Gardez vos mains en évidence. Votre 10-20, s'il vous plaît, pour l'insultant. Entrée autoroute de l'Armurerie. Ils sont rendus. Dernière back-up. 10-4, ils sont rendus. Bande de connards. Allez tous vous faire enculer! Allez tous vous faire enculer! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous voulez faire des courses poursuites? Bande de connards! Je vais faire ça comme ça, ils vont être libérés. Attention, Riz, fais attention, fais attention. Oui, il a fait les pneus. Le lieutenant du BCSO et lui, c'est un chef. Allez vous faire enculer! Bâtard. Quoi, son grade? Quoi? Allez-vous circuler? Officier 3. Très bien, bonjour, lieutenant Savage, du bureau du shérif. Oui, vous allez vous calmer tout de suite. Oui, je vais me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer. Je vais me calmer. Ouais. Par la banque. J'ai libéré l'autre connard là. Où est votre otage du coup? 71, on arrive. On n'a pas d'otage. Vous avez pas d'otage? J'aurais pas dû crever les pneus. On parle bien de Curtis, messieurs. On n'a pas d'otage. Après, est-ce qu'il a ses raisons, mais bon. J'apprends que vous mentez, je retourne votre putain de quartier. Devon, il est où Curtis? Je sais pas où il est Curtis, je sais pas c'est qui Curtis. Curtis, c'est la chemise bleue, Golemont, manger un bus, manger un caillou. Oh, vous avez bien laissé passer à partir un individu? Je sais pas c'est qui. Orlando. Écoutez. Oui, à l'écoute, excusez-moi. C'est partir un individu. 10-4, il avait rien à voir, il était dans notre voiture, c'est bon. 10-4 peu après. Viens Orlando, faut que je te parle. C'est le seul moyen que tu t'en sortes. Orlando, viens, faut que je te parle, faut que je te parle. Regardez-les, ça va être juste 2 secondes. Sergent, venez, faut que je vous parle. C'est lieutenant, lui. Lieutenant. Lui c'est le lieutenant du BCSO, il a rien à voir. Lieutenant. Hein. Vous ne bronchez pas, je vous jure, me donnez pas de raison. Je les surveille, vous inquiétez pas. Il est là le sergent-chef, tiens, Cole. Lieutenant. Oui. Vous êtes lieutenant vous? Bon, tant pis. Je suis lieutenant. J'aurais tout essayé. Hein. Vous pouvez l'appeler comme ça si vous souhaitez. Ah oui. Pas mal, je prends. Le 5 pour le convoi pénitentiaire, je vous laisse passer. Vous êtes énervé, sergent-chef. Non, 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 c'est du réalisme. Jamais vous me faites ça, Rizan. Quand on a des véhicules qui chassent et qui sont là pour nous foncer dedans, qu'il y a des plans nuls, X plans nuls, plus en plus de ça, ils se font. Ils sont stoppés, ils s'éclatent. Si, si, non, non, non. On a des véhicules qui nous ont foutu ça dedans, je vous assure. Après, ouais, j'ai pas vu, mais en tout cas, moi, quand je suis avec un bon moment. On va terminer avec eux, là, qui sont à genoux depuis tout à l'heure. Vous me faites une palpation pour vérifier qu'ils sont pas des armes, au pire des cas, ils ont rien. Vous prenez juste leur identité et vous leur mettez conduite dangereuse. Mais bon, je m'en occupe. Mais du coup, on n'a pas l'information de Curtis. On n'a pas besoin de 10-35, donc si vous croisez. Ils ont dû le lâcher ou. Bah, essayez de l'appeler. Finalement, si. C'était qui le pilote? Parce qu'en plus, c'était que la mule, hein. Radio peut essayer d'appeler Curtis, le Golemont là, au téléphone. C'était que la mule en plus. Non mais non 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 non, il y a des véhicules qui nous ont fait des plans nuls, il y a des véhicules qui chassaient, qui nous fonçaient dedans. C'était quand même que la mule. C'est pas nous, c'est pas nous. Vous vous taisez vous, vous me laissez parler, c'était que la mule sergent-chef. Après c'est vous, c'est votre boulot sergent-chef hein. Ouais bah relâchez si c'est... On n'est pas en Defcon, je sais combien là. Non, ça c'est pour l'amende ça, connard. Palpation. Oui, bah oui, je les palpe. Mais ils ont rien en plus, ils ont rien. C'est des clowns, ça se voit que c'est des clowns. C'est qui Orlando? C'est les Wu ça. C'est les Wu ça? C'est quoi? Mais qui se rangent petit à petit si j'ai bien compris. C'est quoi les Wu? C'est quoi? C'est les mecs de Groove Street là, c'est un mélange de Bloods et de Crips si j'ai bien compris. C'est des balasses? Oui, Biquet. Oui, Biquet. C'est pas des balasses non. Oui, oui, Groove Street. Attendez que les balasses y reviennent, vous allez voir le coup de pied au cul qu'ils vont vous mettre. Plus les Families. Pourquoi ils habitent aussi au cachet des Families? Non mais les familles ils ont déjà repris Groove Street quoi une fois. C'est devenu nos petits les balasses. C'est devenu nos petits les balasses. Je vais te mettre une patate dans la tête, je vais t'arracher la mâchoire. Waouh waouh. Non ils ont rien. Allez cassez-vous là, cassez-vous. Je vous le dis. Demande que je te revois pas sur des prises d'otages. Écoutez-moi avant de partir. Moi c'est dans la voiture mais partez pas. Aucun. Écoutez-moi bien. Moi c'est 113 risque chrono. Ça veut dire que là le sergent-chef il a été encore plus violent que ce que j'aurais pu être. Mais je vous recroise à faire des plans mules. Si vous tombez sur moi et que vous avez le malheur d'arrêter ma voiture à moi, vous êtes mort. Hein. T'as compris? Quand même, ça rassure. Je suis un haineux, hein. Je vous le dis, je suis un haineux. Nous aussi, on est des haineux, t'inquiète pas, on est des chiens de la casse. Va falloir canaliser un petit peu. Hein. Non, non, mais là, je sors de l'hôpital, je vous jure, je suis canalisé, je suis plus un haineux. Tu fais quoi là? Tu fais quoi au volant chacun? Enlève-toi. Mais enlève-toi. Il y a un moment et il y a un temps pour. Le coco qui était dans la Buffalo. Quel? Frérot, enlève-toi du volant s'il te plaît. Le coco qui était dans la Buffalo, c'est lequel? Je crois que c'est celui au volant là. Celui au volant, tu descends, vous l'embarquez. Ok, vous allez entendre le sergent. Vous le mettez, t'arrives. Allez, descends, trou de balle. Aïe aïe. Bah, il a l'air d'être vachement keblo hein. Ok, ok. Ah, what the fuck? Il a changé le pneu. Ah, ok. Monsieur! Frérot, ouais, très bien. Ouais, d'accord. Incroyable. Bon, tu descends de la choupe pour foirer ou quoi? Attendez, des doigts là. Je vais le débloquer. Vas-y, carré. J'ai tenté, mais. C'est d'ouvrir la porte là. On va le tirer. Monsieur, sortez d'ici. Ouais, non, il est. D'autres Savage, je la laisse sur le parking extérieur du PDP. Allez-y, dégagez. Ouais, Devon, que je t'envoie pas sur des histoires de con là, comme ça. Ah non, non. Tu t'étais rangé, hein. Tu le sais, les descentes, elles arrivent vite. Arrête de faire le con, Devon, arrête de faire le con. Allez, viens, on se tire. On va se revoir, Devon, hein. Comme on a mis avec le capitaine tout à l'heure. On l'attend, non? En fait, est-ce qu'il a vraiment fait un truc de fou? Il a rien fait, il a fait une mule. Non, t'as pas entendu le call radio? Et oui, il a dit quoi? Il met 10 000 ou je sais pas quoi là. Ah, il a dit faut lui faire la misère, lui, il fonçait sur les véhicules, je sais pas trop quoi. Je sais pas, la même chose. Hein. Bon, continue à me montrer les quartiers. Le problème, c'est qu'il va, en fait, il va être dans leur voiture. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Bref. Les tu sais que je les ai tapés, c'était pas par haine comme d'habitude hein. Je voulais juste que genre... C'était quoi cette fois-ci? Bah genre faire un vice ou je sais pas. Eux tu vois. Oui ouais j'ai capté. Eux là les Wu et les Latin Kings c'est les deux seuls vraiment groupuscules qui parlent bien là. Ils parlent bien dans la rue. Ouais. Ils parlent bien parce que je leur mets des pressions du futur. Je leur dis j'ai tellement de dossiers sur eux. Qu'ils savent très bien, ils m'ont tellement parlé maintenant que je peux les menacer d'avoir parlé. C'est qui? Conduite, phare, capuche. Allez, on s'arrête. On s'arrête, je te contrôle toi. Mais c'est encore toi, mais toi tu as enlevé ta cagoule un jour ou pas, tête d'albinos sur ma mère? Enlève, enlève. Oui, descends de la voiture aussi, descends. Je peux me mettre sur le côté ou pas, messieurs? Oui, mets-toi sur le côté, mais je te jure, tu accélères. Non, je me barre pas, je me barre, c'est bon, ça y est. Essaye, non mais essaye de te barrer, essaye, tu vas voir. C'est bon, les gars, tranquille. Allez, va contre le mur. Occupe-toi-en, je nettoie mes binocles. Encore? Non, mais comment ça encore? C'est la première fois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais dans mon auto? Combien de fois je te le dis? Dégage. Dégage de mon auto. Fois, mais. Je sais pas. Non. Enlève. Je m'en bats les couilles que tu es moche. Comment ça, non? Alors lui, tu vois, regarde. Tu vois ce spécimen? Lui, c'est un mec, quand il voit des flics, il déteste leur parler. Oui. Lui. Lâche-moi pas, lâche-moi son homme. T'as dit quoi? Ça, c'est Bruni. Ah, va contre le mur. Je ressens pas Bruni. Lâche-moi. Va contre le mur, va contre le mur. Enlève-moi. Va contre le mur. Il est chauffe Bruni. Eh Chronos, regarde comme il est moche lui quand il est. Va contre le mur, dépêche-toi, m'oblige pas à utiliser la force. Arrêtez les gars, arrêtez, s'il vous plaît les gars. Va contre le mur. Enlève les menottes. Va contre le mur, dépêche-toi, va contre le mur. Fuck you man. Fuck you toi, va contre le mur. Suck my dick. Enlève-moi les menottes. Comment tu parles toi? Comment tu parles? C'est quoi? Va contre le mur. Policier de merde. Reste contre le mur, Les gars, s'il vous plaît les gars, tranquille. Malade, les gars, c'est où est-ce qu'il va celui-là? C'est bon, t'inquiète pas. Mon vieux, je suis pas Orlando, hein. Continue à courir, je vais te faire un film de cul. T'es ridicule. Tu es ridicule. Ok, ridicule. Pourquoi tu mets les menottes? Arrête-toi. J'ai rien fait, moi. Arrête-toi, mon vieux. Regarde, tu vas bien que je te rattrape. Ah fuck! Bah ouais! Policier de merde! Ah! Allez, debout! Comment tu t'appelles, toi? Junior! Contre la balustrade! Jonathan! Va contre le truc en bois là, Julie! Fuck! Oui, fuck. Pourquoi tu cours? Parce que quoi? Pourquoi t'as un portefeuille vide, bordel de merde? C'est quoi son nom? Madame 71, 10, 3. Moi c'est Jonathan. Jonathan, Junior, John, c'est quoi ton nom? Julius. Tu veux me tester, c'est ça? C'est ça, c'est la loi de la rue en gros, c'est tu veux tester le cops pour savoir si t'es plus fort que lui ou pas. Madame 71, on revient dans convoi pénitentiaire. C'est toi qui fais des trucs bizarres, je veux pas tester, tu mets des menottes, mon gars, je veux pas te répondre. Pour rien en plus. Adam 09, composé de 09... Moi c'est moi qui fais des trucs bizarres, qu'est-ce que t'as entendu sur moi? Je suis le moment en 1041, je suis à l'orange. 52, tu mets des menottes? J'ai fait quoi? 72, 80, je suis en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Alors pourquoi tu mets les menottes? Délit de fuite. Il y a aussi la dame 97 et 55 qui étaient sur le convoi. Délit de fuite pourquoi? Je suis même pas en état d'arrestation. Tu m'as mis les menottes pour rien. 08 en rédaction de DA. Ah fuck. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? M'oblige pas à te faire des trucs sales, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Benoît. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Adam 09 19 sur les derniers 10 okay, ok. Comment tu t'appelles? Ok, je m'appelle. T'appelles? Chakouisha. Qui? Chakouisha. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Fuck you. Je parlerai seulement en présence de mon avocat, man. En présence de ton avocat, en présence de ton avocat. Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Eh reculez, reculez! Eh recule! Recule! C'est bon, c'est bon. Reculez, reculez, reculez! Ils m'ont attrapé par le col, hein. Ils t'ont attrapé par le col, reculez, hein. Ils ont essayé de me tabasser, d'ailleurs. Moi je suis pas Orlando, moi je vous le dis, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est un petit con comme vous. Tes souliers sont pas attachés. Oui, et ben les petits cons comme vous, par exemple, vous allez circuler. Je t'ai fait sauter comme une pute. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Montez dans votre véhicule avant que je vérifie la plaque. Reste là. Allez, on circule, on circule. Et Durant, pareil. Même pas Durant, tu rentres même pas en 3 points, toi. Allez, dégage. M37, oui, tu mettais un basket, oui. Comment tu t'appelles? Du coup, on a toujours Curtis qui est actuellement disparu et qui était pris en otage. Orlando. Non, alors là, vous appelez pas Orlando, vous. Comment tu t'appelles? La sultan grise qui a participé du coup et qui a été interpellée par Reed et Orlando. Je vais lui casser la gueule à lui, mais je vais lui casser sa gueule à lui. Vous m'avez parlé, sergent-chef? Non, je disais que du coup la dernière signalisation du véhicule qui a pris en otage Curtis, c'était le véhicule que vous aviez interpellé. Tu sais qu'au bout d'un moment je vais te frapper tellement fort, ton visage il va gonfler, tu vas devoir rester à l'hôpital, hein. Je sais même pas si les médecins ils pourront te sauver, hein. Non, de l'hôpital pour rien. Comment tu t'appelles? Cédric. Vas-y, redis-le, redis-le. Cédric. 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 Oh, le nom de victime, ma mère Cédric. Non, non, il s'appelle pas Cédric, il s'appelle pas Cédric. Comment je s'appelle? Babacar ou ou hein? Mamad, c'est ça. Comment tu t'appelles, bordel? Marmelade. Tyrese. Mais lui, je voulais dire. Comment tu t'appelles? Lui, il a du mal à parler. Comment tu t'appelles? Je parlerai seulement en présence de mon avocat. Bien joué ça Orlando. C'est un coup chargé là, c'est bon. Comment tu t'appelles? J'ai pas fait de bagarre depuis un moment mais celui-là il m'a bandé. Comment tu t'appelles? On est en code 5 sur... On m'appelle quoi? Cours. Essaye un peu. Essaye un... Tu vas lâchez le collègue vous! Lâchez-le! C'est bon, c'est maîtrisé. Oh oui! Madame Zéro, ça roule vite, on est d'accord? Je voulais faire un tir de sommation, je le jure! J'appelle la police. C'est quoi Riz? Paul Char, oui. Oh, il est con lui. Mais mettez-vous contre le mur tous les trois. Appelle un EMS pour l'autre. Orlando, appelle un EMS pour l'autre. Oh non, mon collègue. Mais regardez-le. Qu'est-ce que vous avez fait? LSPD pour la SMD. Je voulais tirer à côté, je le jure, Orlando. Restez là, vous, hein. Restez là. Mais t'es sérieux, toi, c'est un criminel. Restez là, ne bougez pas. Il faut que je le démelote. Il faut absolument que je le démelote. Oh putain. Ils arrivent. Oui. Ah, ils sont partis, les fils de pute! Excusez-moi. Oui, j'ai entendu, et du coup, il y en a que un seul. Ah, je peux toujours pas parler radio, by the way, hein. Et qui? Oh putain, le con. Je te jure, je voulais tirer à côté. Oh le con. Non, mais arrête. Je te jure, je. Non, tu m'as toujours dit ça, j'en ai vu 10 de toi quand même. Non, là c'est pour de vrai. T'imagines, il est mort? J'en ai mis une, il est tombé sec! Bien sûr, tu tabasses depuis 20 minutes. Refus d'op et ils étaient sur les lieux de la fusillade. Mais tu sais que là, on peut perdre le travail. Il y a un mec dans le coffre potentiellement commun. T'as fait 13 minutes de l'espion. Souvent ça. Je peux te dire qu'un jour j'ai mis un coup de matraque à un mec, j'ai regardé toute ma vie. M111. Attends. Ils arrivent les EMS, mais. Si jamais c'était potentiellement des tirs d'automatique. J'ai pas très bien entendu. Mais si, justement. Ok, c'est capté. Il va nous accuser, frère, tu es connu pour ça, déconne pas, frère. Et même moi, je suis connu pour ça. Oh, les fils de pute. Peut-être d'aller check au niveau des shot fire, il y a peut-être des personnes aussi. Venez ici, vous allez finir comme votre pote. Viens ici avec le sweat bleu là. Tu veux finir comme ton pote? Arrête-toi, je vais finir comme lui une fois. Arrête-toi! Arrête-toi, t'as dit. Ah putain. C'est incroyable ça de pas comprendre ce qu'on te dit dans la bouche et dans les oreilles. Bien pris. J'ai pas filmé, j'ai pas filmé. Oui, tu as pas filmé, oui, tu as pas filmé. Il a pas eu le temps. Tu as son code? Ouais, ouais, il a pas de code. Oh, oh putain. Il y en a des photos. Tiens. Écoute, ton pote là, il a mérité hein, ce qui lui est arrivé. T'es un malade, c'est bon? Il a voulu courir, je l'ai prévenu, je lui ai dit arrête-toi. Non, t'es un malade. Mais comment ça, je suis un malade? Eh oui, vous êtes fou, vous êtes complètement fou. Je le somme de s'arrêter, il ne s'arrête pas. T'as quoi là dans la poche là? T'as un taser, non? Ouais. 10, bonne soirée. Bonne soirée, ouais. Parce qu'il était trop loin, il était trop loin. Tu vas prendre ton métier. Il était trop loin. T'es un psychopathe. Ne rends plus jamais mon... Ne rends pas mon métier. Oh le créneau de vieille. Oh ça tient. Guerre de gang, guerre de gang. On circule monsieur s'il vous plaît, tout va bien. Je vois, ça pétarde de partout là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui oui, ils se sont tirés dessus là avec d'autres gangsters. Monsieur vous m'entendez? Monsieur... Et qui je fais quoi? Bah oui. Ah, votre ambulance elle est dans la sauce hein, je vous le dis. Oh non. Et qui par pitié je fais quoi? Les clés, mais bon. Pour la radio. Ah putain. Orlando, parce que je peux pas me servir de ma radio moi. Préviens radio qu'il y a eu un... Ouais, t'inquiète. Adam 34, il y a eu une légère fusillade au niveau du quartier de l'Afrique. On recense un individu à terre. Vous allez bien, vous? Voilà, parfait. Ouais. Nous avons maîtrisé la situation. Ah, bah ça va, ils ont fui. Ah, c'est une bonne pour le secondaire. Ils ont fui et les autres, on les a trucs. Ouais, c'est une voiture. Ouais, bah ça va, tout va bien. Merci. Ça marche, pas de galère, bon courage. Oui, mais ça pète encore. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir là? Mais ça marche toujours pas. Eh oui. Jésus, c'est toi? Oui, c'est moi. Attends. Callaway Carter, c'était quoi ce perso déjà? Il va s'en sortir, monsieur? Ouais. Franchement, ça devrait aller. On va regarder ça. Je vais l'enlever. On a actuellement dans les câbles. Mettez-vous sur le qui-vive là parce que j'ai des alertes de partout. Ce jean de con là. Sérieux, non mais vous avez raison hein, quand même. Bon, je vais essayer de sortir la boutique. Oh, le jean de con qu'il a, quoi, le jean de Golemont. Il a récupéré, c'était bon. Tu trouves pas que c'est un jean de Golemont, ça, Chronos? Wow. Attends, mais putain, mais ça me pète les couilles ma radio. Allez, on monte dans la bétail. Ah oui, mais la radio, moi aussi j'ai eu du mal, je sais pas comment j'ai fait. C'est une victime, lui? Oui, il s'est fait tirer dessus, guerre de gang. Bon, pas besoin de vous alors. Non, hein, toujours pas. Oh, ils ont fait les pneus. Aïe! C'est pas loin le Benizon Violet. Attends, il faut que je me rendorme, faut que je m'assoupisse. Encore? Bah, je vais réessayer pour ma radio en fait. Ma manette elle est pas branchée, les mecs. Ma mallette n'est pas branchée. Service, et remets-toi hors service. Ah mais là c'est la radio, c'est pas une question de service là. Parce que ça parle pas dans la radio. Au pire, fuck la radio et prends un télégramme comme dans Red Dead. Masterclass. Quand dans télégramme, il fait pour voir ta mémoire. TQ527. T'es choqué ou pas? Est-ce que t'es choc-barre? Est-ce que t'es choc-barre? Tu l'as écrit? Voilà que je... Voilà, je sorti de tête. J'ai le post-it. Tu m'as fait découvrir Interstellar, je ne sais pas comment te remercier, quelle masterclass. Frérot, tu me remercies depuis 16 mois. Depuis 16 mois, tu me remercies juste de rien. 0810, bonne soirée à tous. Ouais. Bonne soirée. C'est énorme. Mais Zabi, Zabi, Zabi. Merde. Mécano ou pas? La dame 97, on essaye de voir pour une anticipation au niveau du parking. Mais putain, mais je peux pas parler dans ma putain de radio de merde, ça me pète les couilles. En gros, je t'explique. Ouvre ta radio. Oui. Quoi votre tenue là? Tu mets 1, t'appuies sur on et c'est bon, t'as la radio. Oui, mais j'arrive pas à parler dedans, j'entends en fait, j'entends la radio. Orlando, jette ton tenue de radio. Jette et reprends là. Bah ouais, mais. La jette par terre. Et va arriver vers le musée. Oui, tu la jettes et tu la reprends. Ça fait plus peur au gangster, jeune. J'en ai rien à foutre. Tu devineras jamais. Ah quoi? Je suis tenue bleue tout le monde. Et l'agent qui est avec vous aussi. Oh! Bien joué! Bon? Bien joué mon gars. T'inquiète. Merci. T'inquiète. Mais t'as tenue bleue Riz? Oui, je la mets de suite après. Perdu au niveau de l'autoroute? Pas de mécano là? Et remonté vers le musée. Maintenant. Je suis mécano, je m'en occupe si vous voulez. Vas-y, change nos pneus. Tu vas ouvrir vos capots les jeunes, on va essayer de mettre un oeil. Il est où le capitaine? Il a pris un 10-10. Oh! Il est là le capitaine, bah il est capitaine adjoint là. C'est qui le capitaine adjoint? 37. Oui. Le capitaine adjoint 37 toi maintenant? Vous le connaissez? Ah oui, on se connaît 37 et moi bien sûr. Bah oui. Ça va capitaine? Ça va et vous? Par contre la tenue ça va pas le faire hein. Bah c'est ma tenue risque quoi. Ma belle tu peux la mettre en banalisée mais pas dans une sérigraphie. Mais non mais elle est pas banalisée là ma tenue. Marqué police. C'est quoi ce pantalon? C'est quoi ces chaussures? Regarde, c'est un truc de flic. Mais la tenue noire on l'a lâchée depuis 6 mois. 71 pour radio, on a donc. Moi je suis à l'ancienne, je suis nostalgique, voilà qu'est-ce que je te dis. La par contre faut me payer les mecs, hein, faut me payer là. Là c'est 200$ pour chaque voiture s'il vous plaît. Hein. Bonne soirée. Bon bah on va y aller. Hein. Non mais attendez, je vous assure que vous allez me payer, je vous assure que vous allez me payer. On payera autrement, t'inquiète. Non. Vous allez me payer là. Plus tard. Payez-moi. Ceux qui payent pas sont racistes. Allez faire un tour à l'hôpital. Payez-moi. C'est bon, ça va. Vous arrêtez de me faire chier. Mais attendez, je répare le véhicule, je dois être payé. Riz, non mais Riz, je fais votre salaire en fin de semaine, donc c'est à moi de voir après. Hein. Tu m'as rien donné là. Vous êtes au FI3, donc vous serez payé. Oui, vous avez oublié de me payer. Bah on a changé, ouais, c'est vrai. Oui. On vous paye, oui, ça va. 200$. Attends, la facture. Mais non, y'a pas de facture, tu payes en liquide. C'est bon, en cash. Merci. Allez, 200$, monsieur, s'il vous plaît. Une facture, vous croyez déclarée ou quoi? Du coup, vas-y, on part après. C'est qui ça? C'est Riche, 113. J'ai réparé votre voiture, donc j'aimerais bien être payé, s'il vous plaît. C'est celle-là, ça tombe bien, elle est pas réparée. Si elle est réparée, bien sûr qu'elle est réparée. Non, elle fume là, celle-là. Elle fume? Tu la vois fumer, Riz? Attends, je vais vérifier, mais non, je la voyais pas fumer. C'est l'heure du dispatch ou c'est le béni si je comprends pas? C'est qui celui-là? 113. Oui, 113. C'est l'heure du dispatch. C'est l'heure du dispatch. C'est l'heure du dispatch. Attendez, ma paye. Fais voir ça avec le capitaine. 100$. Attends, j'ai que ça. Avec tous les agents qui crient. D'ailleurs, ils l'ont enlevé ce truc-là, c'est trop dommage. Oui, j'ai vu ça toi après. Pourquoi? Parce que il y a un mec qui le fait. C'est l'heure du dispatch. T'as un plaisir ou ça? Tu as vu, lui c'est un jeune qui était là quand j'étais là moi. Chronos. Lui Riz là, la jeune devant. Oui. Présentez-vous. Je te présente Patrice, c'est un collègue très bon. Bonsoir Patrice, comment allez-vous? Ça va et vous? Oui ça va super. Eh t'es passé au FI3 Patrice ou pas? Je suis officiellement number 3, oui. Oh incroyable. Vous avez dit quoi? Il est au FI3 113. 113, ok très bien, enchanté. Enchanté. T'es encore 113 United. Mais moi je voulais m'appeler 972, on m'a refusé les doigts. L'heure du dispatch. Eh ben il y en a qui sont privilégiés, il faut croire. C'est bon, vous m'avez payé le shérif? Oui, on peut. Votre voiture est devant, hein. Au revoir. Mais si, normalement, elle doit y être. Arrête. Oui, je l'ai réparé. Ah, nickel, merci. Merci beaucoup. Attends, elle est pas là? Mais non. Mais pourquoi elle est pas là? Orlando, trouve-leur leur voiture. C'est quoi votre voiture là que vous aviez? C'était une Torelson. Une quoi? Torrencer là, je sais pas quoi là. Torre quoi? Torrencer. Voilà, Torrencer. Comment ça s'écrit cette connerie là? T-O-R-E-N-C-E-R. Y'a pas de R? Bonsoir. Y'a un R. J'ai un R. 55, vous avez la plaque d'immatriculation de la Buffalo ou pas? On va demander aux collègues au pire. 5. Oui, oui. Vous voyez si vous aviez payé. Oui, oui, d'accord. Plaque de la Buffalo, vous l'avez prise ou pas? Vous vous trompez. Ça devenait. Ça s'appelle pas comme ça, hein. Je fais pas la route en vélo, c'est mort. Putain, mais vous me bandez, je vais devoir aller au truc là. Oui. Ah oui, mais ils avaient qu'à payer, hein. Allez te payer autrement, tu sais. Arrêtez d'utiliser des trucs que vous connaissez pas, Riz. Bah non, mais pour moi ça revenait. Ah non, bah non, bah non. Non, quand écrit définitivement en général. Mais non, il n'y avait pas écrit définitivement, justement, c'est pas un coup de balle. Ah bah alors, je sais pas, rigolé. Tiens. Alors. Ça vous va ça? Oui. Alors. C'est pas le truc du shérif ça? Si, bah si, justement. Oui, bah qui fait votre soirée? Qui fait votre soirée? On va se faire baiser en plus. Ouais, de toute façon, le shérif il est pas là, voilà, fait chier. Il est là, 42, il vient d'arriver. Madame 52, j'ai reçu un appel anonyme disant qu'il y avait eu des coups de feu à l'arme lourde. Attends, je l'appelle 42. On se rend sur place pour vérifier. Arme lourde, coiffeur Vespucci apparemment. Oui, 42. Mais t'es de retour, toi? Oui. Eh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais à. Bah, c'est 42 son hume. J'étais à l'hôpital. T'es allé à l'hôpital pourquoi? J'étais à l'hôpital psychiatrique parce que j'avais des excès de colère. On est là, 91. J'arrive. Colère, toi? Oui, oui, non mais n'importe quoi. Mais ils m'ont soigné là. N'importe quoi. T'es génial, je suis content. T'es de retour du coup? Ouais, je suis de retour, je suis de retour. Ça va toi, 42? T'es quoi toi maintenant? Eh bah, je suis shérif. T'es shérif? C'est le chef. Toi? Toi, t'es shérif toi? Ouais, c'est le commandant qui m'a mis là-bas. Le rookie originel. Bah écoute, félicitations. Merci. Eh ben écoute, en plus, je crois que j'ai fait du plutôt bon travail, parce que le PCSO n'a jamais aussi bien tourné. Vous êtes toujours raciste? Non, il y en a quelques-uns, mais ça va. Ok. Bon, ben. C'est pas contre eux, parce que moi je suis pas raciste. On se voit plus tard, je t'appelais juste pour avoir des nouvelles. Vas-y, pas de soucis. Très bien, transformation du coup, Curtis a été localisé au niveau de la station essence de Forzancudo actuellement, juste sous le pont. Derrière toi, à proximité, foncez s'il vous plaît. C'est base militaire. Adam, je vais rester sur la géowash. Waouh. Trois radios là. Ouais, tout ça. Du coup, je réitère, Adam 34, on est sur la GOH, on bombarde vers le Forzancudo. À 37, on bombarde également. À Code 27, on y est. La voiture a fait ça? Elle fait quoi? Putain, ça va vite les voitures de keuf. Mettez vos extrémités au dessus. Mais encore, on sait que celle-là, c'est les moyennes. Hein. T'as les banalisées là, les Nora, les STX, elles vont très très vite. Et après, t'as la HP, c'est celle qui va le plus vite. La Highway. Bon, exactement au niveau des marais, je cite. Ils savent qu'ils sont repérés ou pas? Ah oui, c'est bracelet donc oui. Oh. Donc attention, route 68. Stylé. Oh la conduite. 7 pour Orlando, je vais couper route 68. Et en fait, quand je parle dans ma radio, je galère. D'ailleurs, il faut que je prenne ma main. Parler en même temps? Ah ouais. Je prends ma main, j'appuie sur ma radio et tout. Il faudrait que tu essaies de caler ta radio assez haut sur ton épaule pour que tu puisses, je sais pas, essayer d'appuyer. Non, j'aime bien, justement, j'aime bien. Ok. Bon bah. En vrai, c'est pas pratique d'appuyer sur une radio. C'est pas pratique, c'est vrai, ouais. Je pourrais mettre sur la souris et tout. Mais moi, je me suis égal. Tu vois, ça va très vite. Adam 34 à 500 mètres de la station essence pour Zancudo. Dans les marées. Ah, mais ils sont déjà partis là s'ils ont eu le bip du bracelet. Hein. Va à droite. Ah ouais? C'est là, hein, c'est à droite. Oui, mais c'est derrière, il a dit dans les marées. Juste là où vous êtes en dessous le pont. Juste là où vous êtes en dessous le pont. Voilà, t'as vu, trou de balle? T'es mort, j'ai pas entendu, il parle pas fort. Moi je pense qu'ils sont déjà partis. Ouais, ils sont partis. Essaye d'éteindre tes phares, qu'on soit moins cramé. Et je pense que c'est plus vers la droite. Ah attends, je crois que j'ai des mecs à droite. T'as vu des mecs à droite? Ouais, mais en fait, le problème c'est que dès que le bracelet il sonne, bah oui, ils se barrent les mecs. Bah ouais, mais ils l'ont fait sonner il y a 10 minutes donc déjà. À partir du principe. Surtout que ici t'es obligé de remonter sur la route, faudrait couper. Ouais, l'autre il coupe route 68, il est à même de les croiser, tu vois. On parie que je les retrouve. Croisé, hein. C'est vrai que toi tu as de la chance avec ça. Et ben moi c'est tout l'inverse, frère. Des infos? J'arrive sur les postes. Non, RS au niveau des marées. Très bien, bah secteur de 2 km autour, vous essayez de grappiller la zone. Surveillance renforcée au niveau de la route 68 du coup. Aucune idée du type de véhicule, aucune idée. Ah ok, Descartes, j'allais demander. Merde, mais putain. J'essaie de continuer de remonter les marais. Dame 10, on se rend à l'hôpital, apparemment il y aurait des blessés par balle. Ici ça me paraît con d'aller par ici, il y a tellement de virages qu'il peut pas rouler vite. Ouais mais les autres ils sont partis vers la gauche donc ça rien d'aller explorer là-bas. En réalité je pense ils sont posés étoile, c'est la grande montagne là qui monte vers le Stap City. Oh non tu mets des idées parasites. Arrête et... Moi je vais aux endroits où j'irais si j'étais eux tu vois mais bon. Oui mais là tu me parasites mon cerveau. Oh putain. Des voitures toutes neuves, je suis pas le seul. De quoi? Ah rien, t'inquiète. Non vas-y dis. Rien. Non vas-y dis. Mais rien frère, qu'est-ce que tu as dit frère? Bah ta voiture était cassée. Ma voiture était cassée? Ouais, un peu. Ah ouais. Tout à l'heure là, allez, c'était à l'époque. Ouais, elle est neuve maintenant quoi. Bah oui. Encore heureux, je suis mécano. Moi aussi je suis mécano, c'est tellement incroyable. Oui. Non moi ça me stresse. Ouais Orlando, ouais mais tu sais que c'est terrible parce que c'est mental. Oui. Et du coup, dès que t'as un petit peu pété, exactement, ouais. En fait, tous les phares, ça me. Mais moi, ça me trigger de ouf, même des petits trucs, des petits phares. Il manque une vitre, je suis stressé. Ouais. Je suis vraiment pareil que toi. C'est la maison à Rafi, ça. Passer des heures aux jumelles là-dessus. Ouais, c'est pour ça, moi, je suis démotivé au DOA là. Adam 111, tu enquêtes sur des mecs et tu les vois plus pendant 600 ans là. Ah oui, il est parti où? Soulé. Eh oui. Il est parti où? Il a fait de son argent, bah je sais pas, on n'a pas de nouvelles hein. Il a dû profiter de son argent, tu sais, les frontières elles sont pas assez fermées, donc quand il y a la guerre de Caillot, à mon avis c'est barré. T'as loupé des trucs. Vous avez l'immatriculation de la guerre de Caillot, on est arrivé avec l'armée et tout, on conduisait des avions de chasse et tout. Mais ah oui c'est vrai que j'ai loupé. Ah ouais, tchalo, pas d'abré, boy. Je fais l'armée, moi je sais que j'étais dans l'état-major de l'armée en plus. Dans l'état-major de l'armée toi? Ouais, état-major de l'armée. Et toi depuis quand t'es plus un clown? Bah j'ai jamais été un clown. Ah ouais, j'étais un clown mais quand je suis revenu je me suis mis Déjà j'ai pas de mauvais parasites comme Karim tu vois. Oui c'est vrai. Et en plus bah je me suis motivé tu vois, j'ai kiffé. Là tu passes avec qui en ce moment là? Tout le monde en vrai là, je forme un peu des rookies. Mais mon collègue en référence c'est 71. La seule chose qu'on sait c'est qu'il est pris en otage. 71 et Calum. Attends on a essence illimitée dans ces voitures? Non c'est parce que j'avais le volant. T'avais? Ouais, vu que j'ai le volant, moi, je sais pas, c'est bizarre. Je perds pas d'essence. Toi, tu perds pas d'essence, toi? Ah, moi non plus. Ouais, j'ai une conduite économique, tu vois, écologique. Je pense que tu devrais retourner dans le nord, en l'occurrence. Mais non, mais ça y est, j'y cherche plus, là. Il faudrait également une unité à l'unicorne, apparemment, il y a une personne qui vient de se faire prendre un coup de couteau. À l'unicorne, il y a des mecs qui viennent de mettre un coup de couteau. J'entends, si t'entends, j'entends. Mais oui, mais t'as une radio d'handicapé, donc vas-y, non, c'est bon, elle marche. Elle marche, juste. De toute façon, de base, j'entendais. Non, moi, je tiens, reprends le volant 3, 2, 1. Ok. C'était. Non, moi c'est. Déjà, montre-moi les quartiers. Montre-moi les quartiers. Ah oui, bah tiens, ça tombe bien, on est à côté. Ici, tu as Morningwood. Bon, ici, ça bouge pas trop en journée, tu vois, mais ils sont dans la rue, ils font des choses, des flicades, des trucs comme ça. Ouais. Ils ont fait une flicade juste avant là. Ouais, tu vois, moi, chaque fois que je viens ici, je vois jamais du monde, mais bon. Voilà, tu as eux. Donc, tu as le quartier de l'Afrique où tu as les 12, c'est des mecs à moto. Groove Street, je t'ai dit, tu as les Wu et à côté tu as les Latin Kings à Rancho. Y'a que d'autres. Ah ouais, y'a eux, attends, je vais te montrer, c'est des marées. On est à 3 km de l'île. Moi je te dis, hein, les gangsters, je pense que je suis le flic qu'ils connaissent le plus. Hein. Mais oui, attends, je viens d'y penser, toi. Le jour où tu nous attaquais avec Caio Perico et tout, qu'est-ce qui s'était passé? Je crois que j'ai pas eu de nouvelles de ça. Ah oui, tu te souviens de ça? Bah oui, je m'en rappelle. Eh ben écoute, j'ai été mis dans une prison, à l'isolement. Prison haute sécurité, j'ai attendu mon jugement pendant 6 mois parce que c'était compliqué, mon avocat il se battait et tout. Ouais. Et j'ai été jugé pour haute trahison contre l'État. À Caillou? Tentative de meurtre et tout. Non, à Los Santos j'ai été jugé. Ouais, et du coup t'as pété un câble et tu nous as tiré dessus. Pourquoi j'arrive pas à aller à plus de 130? Ah, c'est bon, j'avais un limitateur. Non, j'ai pas pété un câble, j'étais obligé à. 1000, va, fonce à la mule. 10 000 points, ouais, ça y est, tu l'as déjà. Ok, c'est bon. Ah mais 2 km sera bien loin. Ouais mais si elle passe vers nous on peut la trouver. Et du coup j'ai été jugé pour haute trahison et au final j'ai été innocenté et du coup j'ai pu reprendre mes... Mais c'est pour ça pendant 6 mois j'étais pas là. Entre toi et moi, tu nous as vraiment tiré dessus? Non. Arrête de mentir. Les 22 sur le vol du véhicule. J'ai été menacé. Bon en vrai un peu quand même. Bah si un peu ouais. Ouais mais vous m'avez trahi comme des putes frère. Tu sais que t'as failli me tuer, je sais pas si tu te rends compte. Bah toi tu as pas failli me tuer avec toutes tes bavures et que j'ai failli me faire virer 10 fois. Attends ouvre l'œil là, ça se trouve il y a une mule qui va passer par nous. Donc elle était où cette mule de con là? Elle était en face. Le GPS. En face. Route 68, tiens, ça correspond ça. Adam 09, mais c'est loin. Sur le dernier 10-31, on a. Oui, mais c'est pas pour nous, mais. Pas dans le vouloir, je te la retrouve la mule. 4. 22 pour la partition. 68. 10-4. Ah bah elle est là. À droite. Ça doit être ça, non? Putain. Non. Et d'ailleurs, non mais vraie question, parce que toi, moi j'étais en prison, voilà, je me suis dit, bon, Riz 95, tout ça, ils vont veiller sur Karim et tout. Oui. Hein? Il est où? Il est mort. Ah, bah oui, j'ai appris comment il est mort. Bah ben, oui, tu peux me faire la morale, me dire oui, t'as failli me tuer et tout, mais moi, tu as mon cousin, il est mort. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez la carte grise de ce véhicule? Oui, je l'ai. D'accord. Montrez-la nous. Magnifique, parfait. Au revoir. Non mais attends, mais oui. tu sais ce qui nous est arrivé, tu sais à cause de qui il est mort, il est pas mort à cause de moi hein. Bah il était un otage avec toi non? Ouais mais il est pas mort à cause de moi. À la base carrément on était, en prison, en garde à vue, et c'est l'autre fils de pute là, l'ancien là, qui parlait comme le sergent-chef, comment il s'appelle? Le capitaine Clétus. Non Clétus c'est pas le capitaine. Ouais c'est 37. Non Clétus c'était le chef de caillot. Ah le capitaine... Oui à l'époque oui, le Renoir là. Ouais. Fury. Eh ben lui, il nous a donné à nos ravisseurs qui ont tué Clétus. Ah ouais, c'est un bâtard, c'est ma mère. Ah ouais. C'est un fumier. On rentre dans le sud sur un 10-56, ouais, tu peux nous rejoindre s'il vous plaît. Oh putain, faut que je dise avec qui il dépasse le labo d'armes. Pour faire de l'anticipation, 2 minutes. Parce que je sais où il est. Ouais. Non, on n'a pas tiré sur le mec, il s'est fait fusiller là par des gars, il y a une petite fusillade entre gangs. C'est chiant. Allez, tirez votre col, mais c'est ça s'il vous plaît, c'est pour une anticipation ou pour un ajout de... C'est pour une anticipation sur un 10-56, on rampe sur LS actuellement. Il dit qu'on lui a tiré dessus là. Ouais, en gros tu l'as menotté, tu l'as tiré dessus. Ah c'est ça, bien sûr, et le quadro je lui ai pissé dans la bouche aussi. Ah mais il a craqué lui, il y a des gangsters qui sont venus, ils se sont tirés dessus, on a essayé de calmer la situation mais... Ça marche, on arrive vers Little Seoul. Bon vas-y tant pis. La vie de ma mère on l'a arraché. Bref, vas-y, à plus tard. Vas-y. C'est qui lui? T'inquiète, je rappelle. C'est mon meilleur pote, 71. C'est un boss. Plus que moi? Mais pas. Et moi plutôt si vous voulez. Et pourquoi ça marche pas quand je baisse le son de la... T'es jaloux? Ouais. T'es jaloux. Ah oui. Pardon monsieur. Nickel. Il est mort. Par contre là tu sais que t'as tiré vraiment sur le plus casse-couille des toiles. Pourquoi? Bah il va 100% porter plainte, avocat et mes couilles. Un gangster qui porte plainte? Mais tu te crois où Riz? Tu crois on est à Chicago là ou quoi? Quel rapport avec Chicago? On est à Los Santos et ces connards ils portent plainte comme des... Attends c'est quoi tout ça là? Tout ça ou quoi? Recule. Au car wash là il y avait 3 ou 4 voitures, j'ai jamais vu de voitures ici moi. Ouais. Tu veux contrôler? Bah ouais. Pourquoi il se barre? Celui-là là t'es gâteau là? J'allais prendre le 4x4 moi. Ouais mais le 4x4 je sais pas où il est basé. Là. Allez devant. Il s'est barré cash. Ouais lui il s'est barré vite. Sur le côté s'il vous plaît monsieur. Sors monsieur dame. Ouais. Vos grosses dents là. Allez on descend on coupe le contact, on descend du véhicule. Ouais pas de soucis. Surtout le pilote. Ouais c'est que le pilote descend. Bonsoir Yo. Ah mais c'est l'autre là, comment il s'appelle celui-là aussi là? Ouais. Vous avez une pièce d'identité? Ouais, tenez. Monsieur est bien accompagné hein. Tu sais c'est... Attends, vous me dites quelque chose moi. Descendez du véhicule si vous voulez tous les deux. Oui, vous me dites quelque chose. Vous venez du nord non? Mettez-vous là. Ouais, y'a moyen. Vous êtes qui? Je suis qui? Alors les filles, qu'est-ce que vous faites avec lui? Bah c'est notre frère. Pourquoi pas? Ah non mais rien, on se balade, on allait aller au coiffeur là. Chez le coiffeur. Oui, chez le coiffeur là. Qu'est-ce que vous faites avec votre ami là-bas aussi? Bah nous on se balade, on contrôle hein. Ah bah oui, vous faites votre travail quoi. Vous allez changer de coupe? Déjà mouillé jusqu'au cou. Non. Non? Non, c'est ma copine. C'est moi la coiffeuse. Ouais. Ah c'est votre copine qui est coiffeuse? Ouais. Ah oui? Et c'est elle qui vous a coiffé là? Tatoueuse aussi. Qui m'a coiffé à moi? Non, pas du tout, non. Ça, j'ai fait mes couettes toutes seules. Et si vous voulez, je peux vous faire un... Tu veux des couettes, toi? Moi, j'ai pas de cheveux. Oui, mais on peut te mettre des rajouts et tout, mais on peut mettre une petite perruque si vous voulez le temps de... Non, 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 vous savez... Si ça t'intéresse. C'est bien plus pratique. Le rose, le bleu, le violet. Non. Le rouge, non, non, les couleurs... Non, ça te dit pas, non. Et du coup, qu'est-ce que vous faisiez avec lui? Il va se faire couper les cheveux, lui? Bah oui, il a le droit de se faire les nattes, non? Je dois le torturer un peu, je vais lui mettre du maquillage, on va bien le pomponner, le mettre en rose bien flashy. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît, tous les deux. Ah ah. Attendez. Adam 37, Palmer Station et boule orange clair. June Campbell. Shai Cooper. Oui. D'accord. Il a une de vous de véhicule? Il en règle le véhicule, Orlando? Allez. Je vérifie, Iris. Range le téléphone, toi, si tu veux pas prendre une balle dans le crâne. Max à 55. Yo, tranquille. Tout ça, carrément. C'est pas très gentil, monsieur. Je suis pas là pour être gentil. Ah. Bon, vous a rien fait. Pensez là. Pensez qu'on pouvait être amis, monsieur, vous avez l'air sympa. Rappel aux unités qui sont à l'hôpital pour les... Ah oui, vous trouvez? Les méchants avec nous, on a rien. Oui, vraiment, on est dans une voiture, on roule, donc on va faire les couettes. Excusez-moi, madame, c'est qui vous? C'est June? Vous réparez le véhicule, monsieur? Ah ouais, vous trouvez sympa? Bah oui. Vous avez pas l'air méchant. Parce qu'elle vole les grognasses. Bah je vais aller faire mes couettes là. D'accord, mais qui vous a demandé? C'est moi, c'est le monsieur. Vous l'avez demandé? Oui, je l'aurais demandé. Non, je raconte pas ma vie pour rien quand même aux inconnus. D'accord, bon, pas de bêtises, d'accord, vous retournez dans votre nord, les Black Vanguard, et vous venez pas foutre la merde ici. Des Black Vanguard, ça? Oui, c'est des Black Vanguard, ils habitent dans le nord, pas les taux. D'accord. Oui, et on fait des couettes. Vous voulez mon numéro, madame? Oui. Mais continue à faire des couettes et pas de bêtises. C'est 24,51. Ok. Attendez. Elle va sortir avec toi juste parce que t'es un flic pour prendre des efforts. Non, je veux juste de l'amitié. Ah, mais prends pas mon numéro, efface. Ah merde, ah vous avez une autre intention, ah merde. Allez, après elle a les cheveux bleus quand même, Riz. Et alors, ça lui va bien? Merci. Allez, au revoir, dégagez mesdames. C'est bon, on est libérable là, je peux aller faire mes couettes. Oui, dégagez. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Allez, salut. Bonne soirée. Je joue support. Ah bah oui, j'avais oublié. De quoi? Je joue support, bonne à rien. Comme tout. Mais tu sais que support c'est un rôle super important. Hein. Oui, mais à partir du moment où t'es fort. Oui. Mais à bas et l'eau, ça pue sa grammaire. Et frérot, il y a des meufs qui jouent support, elles t'explosent même au top ou au mid ou en jungle. Mais bien sûr, mais même des jungles, elles m'explosent. Ah oui. Mais je m'en fous. Ah bah ok. Est-ce que ça veut... Hein? Est-ce que ça veut quoi? Hein? Est-ce que... Hein? Quoi? Bah est-ce que... Est-ce que quoi? Moi je suis borderline en ce moment. Bah est-ce qu'elles savent conduire? Non? Bah oui, il y a des meufs qui savent conduire. Non, j'en doute. Est-ce que... hein? C'est bon, j'ai compris le message. Ouais. Pas plus d'argent que moi, hein, je te le dis. Elle vote elle? Non, elle vote pas alors. Si elle vote, mais bien sûr qu'elle vote. Elle vote pas. Elle vote là, on est pas dans Red Dead. Non, je déconne. Tu te souviens de Sheamus, mon père? Oui, je me rappelle. C'est ton père, Sheamus? C'est mon père, oui, c'est mon père. Il manque tous les... En quel honneur c'est ton père? Bah c'est mon père, Sheamus Evans, Orlando Evans, voilà. Co-capitaine, pour 113 pour co-capitaine, vous me recevez? Vous êtes où? Il faut qu'on vous parle, s'il vous plaît. Dino Rose, et ben c'est on arrive dans 2 semaines. Hein. Oh, vous êtes loin, hein, capitaine. Donnez-moi votre TPH, je vous appelle. Oh, vous connaissez le mot TPH? Mais bien sûr, je connais le mot TPH. Mais putain, vous êtes un agent, vous êtes un bon agent en fait. Je vais demander si on peut pas prendre des banales. 10-13. Ah, tu veux prendre une... 10-13 70 13 0-1-3 7-0-1-3. Il dit, peut-être il va te dire oui en vrai, je sais pas. Oui, oui, co-capitaine, vous allez bien? Quel est vous? Oui. Oh, ah, c'est des keufs. Oh putain. Des keufs, ouais. Permission de prendre une banalisée pour inspecter, vous savez, moi je suis de base, je suis de la MCD. Vous êtes avec Orlando, pardon, vous êtes toujours du MCD, donc j'en vois pas de l'inconvénient du coup. Okay. C'est surtout parce que vous êtes avec Orlando, il a les clés, et Pierre, il vous donnera les clés. Ça marche, merci, parfait, merci beaucoup. Surtout parce que vous êtes avec Orlando et que c'est un très bon agent, qui en a confiance. Non, il a pas dit ça. Tu sais que je suis lead de plusieurs divisions. T'es lead de la MCD? Je suis... Non, abuse pas non plus. C'est que des lieutenants ça. Je suis lead de l'ASD et de la MRD. La MRD? La merde quoi. Toute la merde, on me la donne et c'est à moi. Non, c'est la média relation, c'est genre les Weasel et tout. Bah attends, tu vas où? Bah c'est là, les banaliser, viens, suis-moi. À quel est, tu veux? 22, je vous ai foutu avec Chris, c'est je veux, je crois. Bonjour mesdames, je peux vous aider? Bonjour. Bonjour. Non, non, ah bon, il n'y a que les mesdames. Je vous vois devant le commissariat, je me suis dit peut-être que vous avez besoin d'aide. Ah non, c'est gentil, on discute. D'accord. Le monsieur vous embête? Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien. Vous savez, si vous avez un problème, vous devez mettre votre pouce à l'intérieur de votre main et refermer vos doigts autour de votre pouce. Oui, mais non, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Certaine. Comme ça, les filles. Vous inquiétez pas, monsieur. Comme ça. Monsieur, mettez-vous contre le mur, je vais vous contrôler quand même, s'il vous plaît, on sait jamais. J'ai l'impression qu'il y a un malaise là. Oui. Mais pas du tout. Pas du tout. Vous avez une carte d'identité? Oui. Vous êtes pas avocate? Donnez. Ah, vous êtes du BCSO? Oui, monsieur. Pourquoi vous avez une arme sur vous? Vous êtes en service là? C'est mon arme personnelle. Vous avez votre PPA? Oui, monsieur. Montrez-le moi, s'il vous plaît. C'est un agent de la BCSO. Bah oui, mais il est armé. Bah il est armé. Non, mais attends, mais il est pas en service. Laisse-le faire. Oui, mais la ZOBBA. Bah montrez-moi votre Glock associé à. Enfin, qui me montre que c'est pas votre arme de service là. C'est pas mon arme de service, c'est. Tu contrôles un keuf. Bah oui, mais il est pas en service, c'est un être humain normal hein. Mais oui, mais là, c'est quoi cette agrafeuse là? Attendez, bougez pas, je vais la voir. Mais là, vous agrafez des feuilles et que c'est un grand max hein. Ah oui, en effet. Bien. Vous êtes sûr que vous en mettez pas les filles? Bah non, du tout. C'est la copine du capitaine, vous croyez vraiment que je vais embêter la copine du capitaine? Attends, quoi? Attends, quoi? Laquelle c'est la copine du capitaine? Non, attends, je te récap. À la guerre, il y a la meuf du capitaine, elle est morte, il s'en battait les couilles, il y a une nouvelle meuf. Attends, oui, capitaine de 07? Vous êtes la femme de 07? Qui vous a dit sortir du mur? Ah oui, désolé. J'ai pas fini. Tournez la page. Restez contre le mur, monsieur. Oui, oui, il a tourné la page. Vous avez connu 23? Pas du tout. Pas du tout. Madame, vous êtes sûre, vous avez pas de problème? Non, j'ai vraiment pas de problème. Je connais vos maris, non? Toutes les deux. Comment il s'appelle votre mari déjà? Moi j'ai. Non, j'ai pas de mari, non. Ah, vous avez pas de mari? Et vous, madame? En rouge? Moi c'est 07 du coup. C'est 07 votre mari? C'est bon, vous pouvez revenir, monsieur, vous pouvez revenir. Non, vous êtes la sœur d'Alsen. Exactement. Oh mon dieu. J'adore. Oh, je le vanne jusqu'à la fin de sa vie. J'aime beaucoup les rouquines. Exact. Merci. Comme par hasard. Pourquoi le vanner? De rien. Non, merci. Pour rien. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Ne demandez pas, et toi? Bien. Et vous? 32. On les laisse à deux. D'accord. 31. D'accord. Mira, écoute, on se capte après. Bisous. On laisse avec monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Mais de toute façon, j'avais prévu d'aller boire un coup là. À la base. Il y a l'unicorn. J'ai compris le message, j'ai compris le message. Bonne soirée, madame. Bonne soirée, monsieur. Mais allez boire ensemble. Orlando, et puis d'épée, c'est banalisé, non? Quand même que votre supérieur baisse votre sœur, c'est un truc de fou quand même. Orlando, c'est une bonne. Être rose. Je disais ça d'humain à humain, je parlais pas du LSPD. Pousse-toi. Tiens, mais t'as pas les clés du con. Non, j'ai pas besoin. Oui, pardon. Je suis mis à pied, bon, c'est pas grave. Tu vas où? Mais je vais. Ça, c'est pas une banalisée de bien, ça. Bah si, tu veux quoi? Non, mais ça c'est grillé, ça, il nous faut une vraie banalisée. Ah mais tu veux une... Bah c'est pas là. Non mais c'est bon, laisse-moi faire. Moi je fais à l'ancienne, moi. Ouais, à l'ancienne, ouais. Ouais, à l'ancienne. Sur la bijouterie en question, c'est les portes qui sont fermées à clé, il n'a plus accès. Faut se rendre compte que le sergent, sa sœur, elle se fait baiser par son supérieur. C'est un truc de ouf. T'imagines, toi, ta sœur, elle se fait baiser par le capitaine? Ah oui, je serais dégoûté. Bah ouais, moi aussi. Apparemment, il baise même dans son bureau. Oh putain. Sérieux, ça sort la pute quoi. Bon. Attends, mais quoi comme voiture? C'est quoi? Mais attends. Mais vous savez qu'il y en a d'autres dans le garage du MCD hein. Non, je voulais une Buffalo H. Ah oui, carrément. Ah oui, vous voulez mettre un gyro quoi? Ouais. Je sais plus c'est dans quoi Buffalo H. Buffalo 3, monsieur. Ah non, 4. Ouais, voilà, un trou de balle. Non, 5. Pousse-toi. Elle est bien, elle. Elle est bien, elle. Elle est bien. Reprends-la. Ah oui, elle tue, elle. Ouais, oui. À quoi? Attends, dis-moi que c'est compatible. Oui, mais bien sûr, mais il y a plein d'agents qui en ont ça. Oui, oui, depuis la tu vois, ça c'est une bagnole ça. Oh, ta bagnole de... Bagnole. Vraie bagnole ça. Salope. Écoute, là. Moi, si ça tenait qu'à moi, hein, on aurait des meilleures voitures. Non, mais c'est pas une question de performance, c'est une question d'esthétique. Oui, c'est une question d'esthétique, oui, oui. Bien sûr. De discrétion, tu vois, ça c'est discret ça. Ça fait gangster quoi, un peu. Ouais, voilà. On a des infos sur des labos, des points de drogue, j'en sais rien. En ce moment, non, et d'ailleurs, il faudrait qu'on en démantèle. Attends, il y a un mec qui colle des infos ici. Ouais, 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 justement, les labos, ça fait trop longtemps que ça stagne là. Aucune idée. Oh, t'as entendu? Hier, au niveau du quartier Ballas, j'ai plus le nom. 10-4 à me sauter en soirée. C'est les où? Madame 34, on est à 200 mètres. Je vais appeler le mec qui doit me donner des infos. Madame 09 pour l'unité qui au Unicorn, tout se passe bien. Après le problème de ça, c'est qu'une fois que les gens ils savent que c'est toi, ils te... T'as capté... Oui, c'est pour ça qu'il faut changer tout le temps. Ouais, ouais, on a plus changer tous les jours. Ouais. Il me répond pas le mec qui doit me donner des infos. Madame qui était au Unicorn. Ouais, il va me falloir les labos. Je sais que le chef de la Team Kings est dans la merde et lui il bave bien, donc il va falloir... Je vais lui mettre la pression, tout simplement. Est-ce qu'il est encore là ce connard? Et tu sais, moi j'agis encore comme à l'ancienne, hein. Je vais dans les quartiers, je leur mets des gros coups de pression et ça fonctionne. Hein. Bah oui, c'est le meilleur. Et je suis un des seuls agents à faire ça malheureusement. Pour, on est deux. Il y a 22, tu t'entendras bien avec lui. Tu verras, c'est un bon. C'est qui 22? C'est le lieutenant là, chinois asiatique. C'est le chef de la DEWA. Ben lui. Comment ça chinois asiatique? Comment ça chinois asiatique? Oui, bon, il est asiat quoi, je sais plus comment il s'appelle. Vous êtes qui? Mais t'as pété un câble toi, t'es enroulé toi. Oui, vous êtes qui? Putain, mais toi, t'es devenu fou. Mais quoi? Non, toi, t'es devenu. Orlando, eh, Orlando, t'es devenu fou. Mais j'ai toujours été comme ça. Non, mais d'abord les meufs et la conduite, ensuite les asiatiques chinois. Quoi? Écoute, c'est un asiatique. Dis pardon à la communauté féminine et à la communauté asiatique. Je m'excuse. À la communauté féminine, sauf celle qui je supporte, et à la communauté asiatique, sauf les Chinois. Parce que non, les Chinois ils dégoûtent, sérieux, ils crachent par terre, ils croquent des pangolins, frère, c'est bon le Covid. Non mais non mais non mais t'as pété un câble, je peux pas patrouiller avec toi. Je rigole. Dis pardon. C'est bon hein. Dis pardon. Pardon, oh, ça y est. Non mais tu sais que 22 un jour il a voulu être lead canine. Je lui ai dit non, mais non. Chinois, non, c'est bon, va te faire enculer, non, va te faire enculer. Mais non, mais toi, tu veux. Tu serais capitaine du LSPD, tu lui donnerais le lead canine au... Bah, bien sûr, pourquoi je lui donnerais pas le lead canine? Mais il va les bouffer, les chiens, arrête. Non, mais arrête, Orlando, t'es devenu fou ou quoi? Non, Orlando, tu dépasses les limites. C'est bon, allez. On roule. Non, tu me fais peur. Attendez, il y a des unités qu'il faut réparer. Allez, oh, bah, j'étais élevé par Chemus quand même, hein, tu le sais. Oui, mais bon. Très tolérant, moi. Très tolérant. J'habite dans le quartier de l'Afrique, la preuve. Ouais. La preuve en est. Hein. J'ai mangé un mafé une fois. Là-bas d'ailleurs. Frérot! Bon, bref. Oui. Ah, quelle belle journée. Ce fut une soirée mouvementée. Je fais que des poursuites ce soir. Putain, moi je suis arrivé tard, j'ai tout loupé. Bah oui, c'est vrai que tu es arrivé tard, mais. Là, ça fait un moment, on se fait vraiment chier le cul. Hein. Donc. J'espère que ça a bougé. Attends, parce que le truc, on a volé ma bijouterie, des gens ils sont allés ou pas? Ah oui, ils sont allés, c'est vrai. C'est bon? Ouais, 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 y'a rien. Attends, y'a un mec qui m'a appelé, je sais pas, c'est que. Ah, bah, messagerie. Attends, comment je fais pour prendre les appels? Ah, voilà, sur les appels. Dans ta prise de service. Bah, en ce moment, y'a moins d'appels, hein. Pas de mentir. C'est assez vide. Le tequila là, c'est le bar qui a Rhinewood. Oui, mais il a Rhinewood le tequila là. Morito in, messieurs, dames. J'ai l'impression que t'as perdu ta patience de keuf. Ouais, oui. Tu sais, un keuf, on passe notre temps à rien branler, hein, c'est comme ça. Ah putain, j'avais oublié. Oui. Ça fonctionnait, il était cassé pendant des années. Non. Ah oui. Oui. Moi, oui, j'ai perdu ma patience. C'est vrai qu'au début, j'étais très patient, mais en fait, tu sais, c'est vraiment ce qui m'a énervé. Du coup, ça correspond avec les personnes qu'on a trouvées. C'est les enquêtes, en fait. Ouais. Enquête pendant des mois, et du jour au lendemain, le mec il est plus là. Ouais, il disparaît. Oui, je vois, ça je comprends, ça fait vraiment chier, tu vois. Et j'ai fait 5 ou 6 enquêtes comme ça, mais quand je te dis des enquêtes vraiment poussées, c'était incroyable. J'avais des documents hyper stylés, plaques et tout, et voilà, et le mec il disparaît. Chier. Je suis plus patient maintenant, je suis à la dure, comme à l'ancienne un peu. Mettre des pressions aux gens, et voilà. On s'arrête s'il vous plaît. 11%, vous avez pensé à faire une... On s'arrête avant de devenir tétraplégique. Oui, désolé. Oui, descendez. Ok. C'est toujours pas obligatoire le casque d'identité, permis. Non, c'est pas obligatoire. Oui, du coup 91%. C'est pour votre... C'est conseillé. Pour votre sécurité, vous devriez mettre un casque, hein. En effet. Oui, mais bon, j'aime la moto. Mettez-vous contre le mur, on les contrôle les deux séparés. Madame, venez avec moi. Ok. Allez, venez monsieur. Mettez-vous là. Arrête de gueuler. Carte d'identité s'il vous plaît madame. Madame 0979 sur le dernier 1060 au niveau de l'université. Allez-y. Jade Bao. C'est 100%. Et vous avez la carte grise de la moto? Le bracelet a sonné à pas du tout, c'est bien ça? Non, non, elle est... 44 va dans l'espèce de motel avec une piscine dedans, oui. Je connais son prénom. Qui? Merci. 02, Ashley. Attendez, allez avec mon collègue, allez avec mon collègue. Oui, oui, oui. D'accord. C'est un item ça? Bon bah tout est en règle pour moi. Il va où ce connard? C'est bon, tout est en règle pour vous madame? Ouais. Bon doucement sur la route, mettez les phares et n'oubliez pas de mettre des casques, c'est conseillé. J'ai pas... Attendez, non, j'ai pas vu la carte grise, j'ai pas vu la carte grise. Vous avez fait tomber ça par contre, je sais pas. Une tenue de médecin là, c'est à qui? Ah non, c'est pas nous, monsieur. C'était pas eux, c'était déjà là je crois. Ok, carte grise de la moto s'il vous plaît. Et du coup je vous ai expliqué, je l'ai pas mais... Parlez plus fort. Ouais, du coup je l'ai pas mais c'est la moto du 02. Pourquoi vous avez la moto du 02? C'est la meuf que tu disais que tu voulais qu'elle vienne avec toi là au dispatch. Oui oui, je me rappelle de c'est qui 02 mais c'est pas ça ma question, j'ai pas dit c'est qui 02 Orlando. Tu te rappelles souvent de hein? Oui. Bah du coup elle me l'a prêté. Pourquoi? Bah parce que j'avais pas de véhicule. Pourquoi? On est sur place dans 1 km. Bah parce que j'ai pas de sous. Et pourquoi? Ah elle a pas de sous. Bah je sais pas moi. Une seconde madame, une seconde. Qu'est-ce que c'est? Non, pas Sinjed. La honte, elle a pas de sous. C'est un gros connard. Comme ça, la honte. Elle vous a pas donné les papiers du véhicule. Elle qui est policière et qui sait... Poulet rôti? Moi j'ai fait rôtir du poulet cet après-midi. Ouais. Dans l'oignon, carotte et ail. Ouais. J'ai émincé le poulet. Les papiers du véhicule, sinon... Et après j'ai fait fournir dans la sauce avec du curry. Et je t'ai mis les mentales parce que je suis ça. Ouais. Merci mon frère. Thibaut, à l'avenir. Si jamais tu me fais des pâtes et que tu mets de l'emmental. Ouais. T'as vu, c'est grave pas pratique pour remuer, l'emmental il va pas être partout. C'est pas grave hein, parce que toi tu fais une tête, tu culpabilises là. Non, en gros, genre ce que tu fais, ça c'est ce que moi j'aime bien. Tu sais quand tu mets à la poêle, ouais. Genre tu fous les pâtes, la crème, ouais. Après tu mets le gruyère et après tu remues. Ok. Tu vois comme ça, le gruyère il est bien homogène, oui, je capte. Avec le reste. Ça marche. Voilà. Tiens, reprends ta merde. Merci mon frère Thibaut. C'est moi qui ai le compte, j'ai retweeté. Oh non, j'ai mis un doigt dans mes lunettes. Oh mais c'est insupportable. Moi je suis un fumier, je tweete comme de la merde. Bon allez, circulez messieurs dames. J'ai fait le rappel de mes lunettes, il y a une trace. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bon Riz 112, vous attendez bien ce con, là. Je mange. Oui. Bah monte dans le véhicule et mange... Oui j'arrive, attends, je t'entraîne d'essuyer mes binocles. Mange quoi? Je mange... Alors, c'est des tagliatelles au poulet. Oh putain. Au poulet rôti. Ah gros bâtard. Tagliatelle au poulet rôti qu'il a fait rôtir pendant toute l'après-midi cet après-midi avec une sauce curry et de l'emmental parce que j'aime beaucoup l'emmental. Oh là là, gros con, tu te régales. Tu te la régales le ventre. Allez, distrais-nous pendant que je mange. On va te faire enculer. Fais un petit clown, voilà, une chinouille, tu connais. On a pas des appels là, un petit peu, on se fait chier le boule. Voilà ma armée, c'est où? Les unités Paletto, répondez s'il vous plaît. Oui, allez, on va y aller. Après, tu sais, je voulais te dire par rapport à ce que tu me disais. Et ça, c'est quand même un truc qui arrive souvent, tu vois. Souvent, t'enquêtes sur des criminels, ils peuvent mourir avant ou quoi. Hein. Par l'intérieur des propriétés. Oui, non, mais ça, je le sais, tu vois, je suis pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je répète, je disais. Vous aidez à avoir une conduite aussi dangereuse? Rien du tout. Je vous ai parlé, hein. Simplement au balcon, oui. Vous avez un visu sur toutes les propriétés. Je peux vous aider à avoir une conduite aussi dangereuse, monsieur? Pardon. Pardon, oui, non, mais ça ne suffit pas, monsieur, là. Vous avez descendu du véhicule, vous avez donné les papiers, là, du véhicule, le permis, etc. 3 km maintenant. Allez. D'accord. Sortez d'une ruelle, là. C'est une ruelle piétonne, vous êtes au courant? Non. C'est pas une réalité jaune. Vous me répondez, tête de vieille là, Rolres Gâteau là, c'est quoi ce nom de merde là, en plus, nom de Golemont là. Et la photo, elle est conforme cette photo hein? Elle est pas conforme la photo. F noir occupé une fois pas besoin de 10-30. Remontrez-moi la carte grise. Ah, j'ai pas la carte grise. Mais c'est quoi que vous m'avez montré là? Permis de conduire. Avec une photo qui est pas homologuée. Et pourquoi votre photographe c'est un golemon comme ça? Je sais, c'est une erreur du permis. Oui, une erreur du permis. C'est un faux permis de conduire, c'est ça monsieur, hein? C'est ce que vous êtes en train de me dire? C'est ça, oui. Et la carte grise du véhicule? Je l'ai pas. Mais il vient de dire c'est ça, oui, c'est un faux permis. Orlando, écoute, ouvre tes oreilles. C'est un faux permis, non. C'est la voiture à ma tante. C'est la voiture à votre tante. Ils me l'ont fourni un mauvais permis. Défaillant, je dois changer. Montrez-moi votre carte d'identité également. Ouais. J'ai mon passeport. Oh! Waouh! Moi je suis un peu fatigué, hein. Pas de soucis, mais c'est un... Mais c'est incroyable! C'est incroyable. Mais t'as eu ça où? Moi c'est le mien. Je l'ai pris avec moi au Mexique. Stylé. Mais ouais, ouais, vraiment incroyable. Mais alors par contre, vous ferez gaffe. Estados Unidos Mexicanos. Mais on n'est pas aux États-Unis mexicains là. Ah, c'est mon papier mexicain. Ah oui, mais moi je vous demande des papiers de Los Santos, monsieur, votre titre de séjour. J'ai pas de carte d'identité. Vous avez un visa, un truc? Vous êtes un immigré illégal quoi, si j'ai bien compris. Non. Bah, vous avez pas de carte d'identité, vous avez juste une carte d'identité mexicaine. Ça pique le curry? Pourquoi ça pique, ouais? Moi j'attends juste de me marier. C'est pour ça, et après je vais les papiers. Bon, ça marche pas comme ça, monsieur. Vous savez ce que vous allez faire? Ce véhicule que vous avez doucement volé, je vais vous amender pour défaut de permis pour véhicule volé. Vous allez prendre ce véhicule, aller à l'aéroport et retourner dans votre pays, d'accord? Ok, je vais y aller de suite alors. Eh bien, parfait, monsieur. Allez, vous allez prendre une amende, du coup, pour défaut de permis. Même nos cartes d'identité devraient être comme ça si on me demande. RS ou Keys. Par contre, Ricky, je sais pas si t'es encore là, mais quand j'avais le passeport sous les yeux, j'arrivais pas à parler. Une game. Voilà. 27 10 10, bonne soirée, tout stay safe. Et voilà monsieur. Au revoir, bonne soirée. Allez, bon courage à vous, voilà, bon retour hein. Merci. Et reprenez pas la voiture, elle est volée, vous foutez de ma gueule ou quoi? Oui non mais t'inquiète, au moins il pourra aller à l'aéroport pour tourner dans son pays. Ah ouais? Je vais aller à pied. Il paiera pas de taxi. Bah hein, il peut y aller à pied, il est pas obligé d'aller en avion hein. Oui bon, il va prendre plus de temps, hein, plus vite ils sont partis ceux-là, plus c'est bien. Ça tombe bien, on t'a pas demandé. Retour au Mexique pour ce guacamole. Ensuite... Aïe aïe aïe, bah écoute, j'espère que tu te régales. Moi, franchement, je me régale. J'ai bien faim, je vais aller manger du pain de mie après. T'as graille quoi toi ce soir? J'ai graille. Ah non, j'ai bien graille moi. Carotte à la crème avec un peu de viande là, c'était bon. Carotte à la crème. Carotte à la crème, c'était bien doux. Carotte à la crème, t'es un écureuil toi? Bah, je suis un écureuil frère, mais c'est bien doux. Ça rend aimable, tu vois. Mange de la viande comme tout le monde. J'ai mangé de la viande frère, il y avait de la viande avec. Ça me régale. Excuse-nous, hein, on n'a pas tous un luxe. Putain mais comment ça se fait une cuisine à 2h du bar là? 2h du quoi? 2h du matin. Non je m'excuse, je m'exprime comme Ben c'est son boulot, il travaille 24/24, il va être à ma disposition. J'imagine. Oh mais le pauvre 24/24. Ah oui? Pas vrai hein. Mais genre il arrive à quelle heure la journée? Bah en gros oui, il voit en fonction de quelle heure je m'endors. 15 ou 20 minutes. Genre si moi je m'endors vers 7-8h, il sait qu'il doit être là vers 14h, 15h, le temps de préparer à manger. Comme ça après je mange et après lui il part quand je vais dormir. C'est pas vrai, hein. Attention hein. Ok. Oui donc en soi il est juste décalé comme toi quoi. Que la refaire sonner le bracelet, ouais, dès que j'ai fait un je lui envoie un message et il a 10 minutes top chrono pour me rapporter mon assiette. En gros il doit être pris sur ce qu'il vit tout le temps. Et il fait rien d'autre? Non du coup, sur Curtis, il régale. Il a son ordi et il joue à Valorant. Par contre si je lui demande à manger il doit rester sa game. Ouais. En vrai il se régale, c'est bien. Normal ou quoi? Ouais. Non, c'est bon, tu patientes frère, laisse-le. Mais t'es un fou, je le paye 24/24. Ouais. Tu mets un peu des coups de fouet ou pas parfois? Qu'il fasse plus vite, non mais quand ça cuit pas assez vite et tout. Non, j'ai une matraque. Matraque, ouais, c'est bien ça, en vrai, ça fait le taf. Oui. Après, vu l'espace, il y a la place pour un fouet, en vrai de vrai. Faut pas hésiter, hein, tu sais. Ces branleurs là, comme ça. Les matraques ça casse les os, c'est pour ça que je préfère. Ouais, mais toi tu connais bien les matraques de toute façon, hein, j'ai bien compris. Bon, du coup, je t'ai pas présenté le dernier gang. Ici, eux, c'est les Westside là, ou je sais pas quoi là, Longos. Les Maras. Bref, un truc avec 13. Non, non, non. Les Longos. Oui, les Maras. Là. Ils s'habillent en bleu. Oui, c'est comme des Maras. Ouais, à peu près quoi. Ils s'habillent en bleu comme des maras, ils habitent au quartier Maras. Ouais, oui. C'est des maras. C'est vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot, putain. Bref, ils habitent par là, ils font pas mal de choses hein, quand même, hein. Ils sont méchants, ils croquent, ils mordent, mais bon. Ah bah oui, parce qu'on est pas vu. Ouais, on va se faire lever en radio. C'est qui le coffre chiant, genre, qu'il faut que j'évite, qui va me péter les couilles? 64, waouh, moi j'ai un Death Note de toute façon, hein, je te le dis la vérité. Il y en a, je les envoie sur les OP chiantes, tu sais. Ouais, il y a un qui veut voir tes plaintes, allez, 64, c'est une meuf, ouais. Avec une beuteuse par exemple, tu vois. Genre elle a les cheveux courts, tu verras, cheveux courts, cheveux noirs, et gris, trop chiante, genre quand elle te parle en... Bon en vrai 113, ça va, 64. Elle est mieux, mais... Non, elle est pas... Elle est pas là. Elle est pas... Ah, tu as voulu me baiser. Oui, je voulais la prendre en patrouille avec nous. 13, 19 non, je demandais si 64 était là. 64. Bien, en vrai, elle est vraiment relou. Sinon, coff chiant. Bah, vrai call, hein, le sergent-chef, il casse les couilles parfois. Mais bon, ça va, il casse les couilles dans le bon sens. Il rebondit sur vous. Sinon, non, en vrai, y'a personne, hein, c'est des bons. Hein. Ah, si, 80, la Pouki. Oh 80 j'avais oublié, lui dans mon Death Note. C'est une bouquée lui? Ouais lui il est passé SLO juste avant moi, je voulais passer avant lui mais il m'a baisé. Et dans la MCD y'a qui? Bah MCD côté crime du coup t'as 64, 55, Connor, tout ça là, 37. Tu me dis ça comme si je les connaissais. Bah 37 le capitaine adjoint, 55 ah, oui. C'est la meuf qui vient de parler en radio là, cheveux blancs. Avec des longs ongles. Oui. Ouais, voilà. 64, du coup, la meuf relou. Y'a qui d'autre côté MCD, je sais pas. Mais côté Dewa, on est bien. Y'a Cole. Nique ta mère. Oh, moi aussi. Je crois que. T'as entendu ce bruit de Golemon là? C'était quoi? J'ai entendu ton nique ta mère. Il arrive. Ok. Mais non, j'ai pas entendu le bruit de Golemon. Mais tu m'as gagné trop faim, j'ai été baisé, mais tu mets pas du parmesan là dedans? Non, j'aime pas le parmesan. Oh, mais c'est grave de pas aimer le parmesan quand même. Hein. Je sais, mais j'aime pas. Bon. Dans les pâtes, c'est doux de ouf. Ouais, mais de l'emmental, je trouve ça encore plus doux. Ouais, du l'emmental râpé, genre. Bah oui, connard, pas en tranche. Oui, mais ça peut être fondu, genre. Tu as compris? Mais fondu sur l'emmental. Ouais, en vrai, c'est bon les mentales, mais le parmesan, ça c'est tellement. Non, justement, les mentales, c'est vraiment doux, c'est la définition de doux. Tu vois, dans des pâtes. Oui, c'est vrai que c'est doux. Bah, ça a pas énormément de goût, c'est ça le truc. Le parmesan, ça a un peu plus de caractère, tu vois. Ça régale. Contrôle-le-lui, contrôle-le-lui. Ouais, je fais grave le. Je fais grave le connaisseur. Ça, je crois, c'est. Ouais. Je crois que c'est un vacancier. Mais un vacancier, t'as des voitures comme ça dans les vacanciers? Bonsoir. Bah, délit de fuite. D'accord. Délit de fuite, ça. Hein. On va poursuivre, madame, hein. Contresens. J'ai bientôt fini mon assiette. Il me reste encore 30% à manger, ouais. D'accord? Parfait, 30% ça me va. Ah là là, mais ouais, tu as loupé des vrais trucs, putain. La guerre de Caillot, frère. La fin de Clétus. Tu as loupé. Là, il y a pas longtemps, on est allé sur une prison. C'est parti en couille, une invasion de zombies. Oui, mais oui, bien sûr, des zombies. Je te remercie, c'est vrai. C'était pas vraiment des zombies, mais j'appelle ça des zombies, quoi. C'était une maladie, bref. Oui, bien sûr. Mais crois-moi pas. Oui, c'était un médecin fou qui avait déclenché tout ça et vous étiez bloqué sans électricité, sans radio. Et on n'avait pas d'électricité, on a trouvé un moyen pour sortir, il y avait des énigmes. Et oui, bien sûr. On a réussi à sortir. Et vous êtes sorti par un tunnel souterrain qui reliait l'île avec Los Santos. Mais comment tu sais? Mais c'est incroyable, frère, exactement. Ah non, justement, je parle au hasard parce que ça nique une idée ce que tu me racontes. Ah là là, Riz. Et toi, ton asile, qu'est-ce que tu as fait dedans? Apparaître fou et avec des fous? Bah, j'étais isolé dans un premier temps. Mais pourquoi en fait? C'est quoi l'élément déclencheur? J'avais des excès de colère. C'est le mec qui fait grave parler pendant qu'il mange. Et sinon, qu'est-ce que t'as fait pendant ces 6 mois, jour 1? Vas-y. En fait, j'avais des excès de colère. Ouais. Des excès de colère, d'accord. Oui, j'ai remarqué que t'en as toujours. Hein. Non, mais moins. Beaucoup moins. Moins, mais tu as failli tuer un mec à la première intervention? Oui, mais je l'ai pas tué. Tu vois, il y a des progrès. Il va porter plainte et on va perdre notre boulot. Mais après, tranquille, c'est pas. Ça va, les collègues, tranquille. Ça va être en 34. Tranquille vos grosses dents, c'est qui là? C'est 52 et... Non c'est qui? Oh mais c'est 45. Mais oui 45. Alors ça se passe comment? Bah super bien, y'en a un qui m'a pris pour un con mais j'ai réussi à le faire avouer. Mais bon, on a été gentil, on l'a laissé partir. Un bandito de mes couilles qui a dit que son collègue tombait sur un bout de verre alors qu'il l'avait planté. Mais on m'a pas, moi, je suis fin, moi. C'est bien, ça c'est du bon sens. C'est qui ton formateur? Actuellement c'est 23. Ça va 23? C'était 28. Il est sage? 27. Mais 23, ouais, vous voulez pas juste d'être recruté au LSPD? Bah non, je suis au FI, hein. Après jamais armé, c'est pour nous. Ah mais oui, vous avez fait la gare, oui, si, ça fait un moment. Non, c'est dans le nord, putain. Bon bah formez-le bien, formez-le. Oui, forme-le bien. T'inquiète, il va être bien formé. On fait confiance, hein. Ouais. Allez, bon courage les jeunes. Gros bisous. On a plus les gyros, je crois. On a plus. Attends, je remets. Ouais, lui, bah, il était formé il y a pas si longtemps. Laisse-moi conduire. Vas-y. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Nickel. Nickel. Vif, c'est vif tout ça, c'est vif. C'est rapide, il y a de la cohésion, il y a de la cohésion d'équipe. On sent qu'on s'est déjà galoche dans les vestiaires à l'ancienne, hein. Ça fait plaisir. C'est déjà galoche dans les vestiaires, non? Bref, qui moi? Bah oui, bien sûr. Si j'ai pas galoché un collègue, moi je suis une pute. D'ailleurs, il y a des super douches au poste, tu verras, elles sont nickel. Bref, putain, y a pas grand chose, hein, je vais pas te mentir, cette heure-là, c'est un peu mort du cul. Hein. Ça là, moi je te dis, je te conseille d'arriver plus tôt. Hein. Ouais. Plutôt, tu vois, entre 23h et 1h, il se passe des choses après, bon. Non mais, Orlando, vraiment, t'es vraiment devenu une merde. Quoi? T'es vraiment devenu une merde. Oui, je sais, mais bon, j'en ai marre. Non, parce que. J'ai plus la patience. Oui, t'as perdu la passion. Tu sais qu'au début, ben, j'ai vraiment perdu la passion. Mais ouais, t'as vraiment perdu la passion. Je mettrai un arrêt un jour. Écoute. Mais avant, j'étais le premier au dispatch à 21h. Et j'étais le dernier en service à 4h du matin. Ouais. Ah, madame, on a eu un appel, ouais. Pourquoi? C'est vrai que j'ai perdu un peu de patience. Je pense que t'as trop abusé et du coup t'as trop tiré sur la corde. Bah en fait j'ai tellement pris de plaisir que j'ai... Moi tu vois je suis comme ça, c'est à dire que quand j'aime bien ce que je fais, je suis à 12 000%. Et du coup j'ai trop kiffé, j'étais investi partout, je faisais tout. Toi je faisais tous les RI, tous les dossiers d'opération, je faisais tout. J'ai fait 12 000 dossiers même pour l'ASD et tout, j'ai pris des heures. Mais vas-y, ça m'a saoulé. Parce que déjà les collègues ont pas beaucoup de reconnaissance pour ce genre de choses. Et même, moi les enquêtes vraiment ça m'a dégoûté. Vous allez faire l'accent du Nord. Ça aboutit jamais en fait, c'est dommage. Faudrait, surtout l'état-major veut pas assez mettre la pression aux gangsters, tu vois. C'est ce qu'on dit. Là, moi, dès que j'ai été un peu gradé, j'ai imposé mon truc. J'ai vu Narcos toutes les semaines. Oui, j'ai vu, oui. Derrière, vol de véhicule à main armée. C'est ce qu'on dit. Hein. Kilomètre 8, il sera déjà bien loin. Non mais là il y a deux véhicules. Ouais, là. 22 sur le vol de véhicule. Non mais là c'est. 10-22 ça veut dire quoi? C'est RS? Annulé, annulé. RS. Ouais, ouais, moi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Narcos. Il dit quoi le flic dans Narcos? Il a traqué Pablo Escobar pendant des années, il n'y arrivait pas. Il a dit... Les criminels, ils ont besoin de chance tout le temps. Tout le temps. Chaque jour, chaque minute, chaque heure. Ils ont besoin de chance à chaque... Tais-toi! Tais-toi! Je t'arrête de faire une citation, j'ai pris la voix et tout. Je le sais. Non, tu sais pas ce que j'allais dire justement. Il a dit, je recommence. Il a dit les criminels, ils ont besoin de chance tout le temps. Chaque minute, chaque heure, chaque seconde, ils ont besoin de chance. Chaque coup, chaque mois, chaque jour. Nous, on a besoin de chance une fois. Une fois. Il faut qu'on soit patient. Oui, c'est vrai. Non, bah, pas qu'une fois. Parce qu'en vrai, pour regrouper beaucoup de preuves, pour foutre un mec vraiment en tôle... Et c'est vrai que l'élément fatidique, tu dois avoir de la chance. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais... À la DOA, en fait, il y a tellement de gens qui, à Los Santos, qui, en tout cas, qui sont pas malins, qu'en fait, quand tu vas trop vite sur les enquêtes, les collègues, ils te disent calme-toi, doucement, tu vois, doucement, parce que tu pourras pas le mettre en tôle, tu pourras le mettre 10 ans en tôle, mais 10 ans, c'est quoi? Le mec, il ressort 10 ans après, il refait les mêmes bêtises, tu vois. Donc, il faut attendre d'avoir le dossier pour le mettre à perpétuité. Le problème, c'est que ça aboutit jamais, parce que les mecs, ils le savent, tu vois, à force. Et vraiment, les gens agissent trop bêtement. Je demande pas, moi, rien que les plaques d'immatriculation, c'est... Bonne soirée. Mais bon, après voilà, moi ça m'a démotivé. C'est juste, moi j'ai perdu la patience, c'est tout. Moi je dois pas, comme tu le sais, je dois pas prendre des grosses... Voilà, va au point que t'es mis. C'est où là? Quel 10-31? Moi je peux pas prendre des durées de service de 50 ans, moi. T'es devenu une salope, Orlando. Ah ok. Une salope, juste un pas... Je suis devenu... J'ai plus la patience, voilà. Putain, mais quand je suis arrivé, les premiers jours là, quand je suis revenu, j'allais même à l'accueil quand il y a des civils qui sonnaient, je restais je sais pas combien de temps derrière le comptoir, j'attendais. Je kiffais ma vie. Pas grave, écoute, dans la vie, tu sais, j'ai besoin de changement, je vais retourner, je vais prendre une moto, je vais aller voyager comme mon père et je reviendrai. T'as pas de daron. Je reviendrai avec le sourire. Bah si, chez Mus. T'as raté la sortie. Voilà pourquoi t'arrêtes pas les criminels, tu vois, tu prends la mauvaise route et la mauvaise sortie. Oui, bon, regarde. Non mais oui, vraiment, t'es pas concentré. Et là, c'est encore pire ce que tu fais. C'est quoi, c'est un 10-60 là? Vente de stup et coup de feu. On a pas l'appel Pogou du Tiroussa. Le coup de feu, je crois que c'était pas là. Olympique Freeway avec Chris, pas là, Olympique. Ah, mais D, c'est à côté. Non, mais après, on a eu beaucoup de bonnes arrestations et tout. Tu sais que t'es devenu? Il y a beaucoup de trucs énervants. Est-ce que tu sais ce que t'es devenu? Je suis devenu quoi? T'es devenu une chialeuse. Voilà ce que t'es devenu. Non. Si. Franchement, non. Si. Non. Je persiste, hein, non. Si. Avant, ouais, mais plus maintenant. Mais plus maintenant, quoi? Il y a 2 semaines? Non, avant, il y a plusieurs mois. Si. Là, j'étais vraiment une chialeuse pour le coup. Tu vois, ça c'est typiquement le profil, hein. Un peu, hein. Et petit bandana là, petit jean serré là. Je le vois pas. Derrière là. Ça c'est le profil, hein. Je te le dis. Mais attends, viens, va dans le magasin de vêtements, on se fait tenue civile. Tu dois en avoir, non? Moi j'en ai déjà, oui. Ouais, moi j'en ai pas sur moi. Attends, je regarde, mais je crois que j'en ai pas. Bah, j'en ai une, mais elle est grillée. Moi je n'ai pas. J'en ai pas. Aïe! C'est quoi ça? Ouais, j'en ai une en urgence si tu veux, mais ça me... En plus, j'ai un peu de sous là, vu que je les ai volés au mec des Wou là. Quoi? Tu leur as volé? Bah oui. Putain, mais toi, faut te tabasser, hein, tu t'arrêteras jamais, hein. Toi, t'es vraiment pas un ripou, toi. Écoute, non. Bah, c'est bien. Tu sais, moi j'avais mes vieux tranchants à l'ancienne, hein, tu les connais? Oui, ouais, je les connais. Je me suis fait martyriser une fois par le capitaine, le juge, ça voulait aller en procès à cause d'un connard là de K-pop et qui a porté plainte pour une bavure. Et depuis ce moment-là, je me suis dit que je me suis rendu compte que je tenais énormément à mon insigne. Voilà. Après, moi j'ai mes manières, hein, j'ai mes manières qui sont parfois hors procédure, genre manière DOA, tu vois, mais. T'en penses quoi de celle-là? Ouais, c'est nickel. Mais attends, moi aussi j'en ai, mais. Ouais, j'arrive pas à la récup. Et 22, 10, 12. Tu as les thunes. Ah ouais, mais. 22. On dirait que pour récupérer c'est en dessous. Ah ouais. Alors tu sais, le récupérer il était en dessous de la case. Mais excusez-moi, je vous aime là, les collègues. Bonne soirée, Orlando, bonne soirée, à demain. Soirée, Orlando. Tu retire ton gilet. Ah, attends, j'ai des trous, je crois. C'est bon, je prends pas mon 10-10, moi, c'est bon, j'en ai marre. Attends, Orlando, j'ai des trous. Tête de couille rasée que tu as sur ma mère, c'est quoi cette coupe? Ben, c'est rien, parce que j'ai pas de cheveux en fait. Tu t'es rasé le crâne? Ouais, je me suis rasé le crâne. 10-4, bonne soirée. Dame 111, 10-21. Non, mais après, voilà, on se régale, hein, tu vas voir. La vie est cool, ouais, les Speedy, hein. Juste en ce moment, c'est plutôt calme. Ok, parfait. Tu vas le comprendre, c'est plutôt calme, mais hormis ça, on se régale. Mais il faut aller les chercher, les trucs, laisse-moi conduire. Ouais, aller les chercher après, tu vas voir. Hein. Non mais il y a des soirées comme ça, en fait les Speedy, il faut pas que tu oublies d'où tu viens. Les Speedy, c'est, il y a des soirées où c'est l'apocalypse, il y a des soirées qui sont calmes, tu vois. Oui, c'est vrai. Et il peut même y avoir des semaines où c'est l'apocalypse et des semaines qui sont calmes. En effet. Tu vois, et en général l'apocalypse il se déclenche par l'intervention humaine. Oui, donc... oui c'est vrai, mais tu vas comprendre vite que... Les gens, ils ont des miettes entre les mains, ils ont pas des morceaux de pain, tu vois, ils ont des miettes et du coup ils veulent absolument pas perdre ces miettes là. Ils ont peur d'y laisser beaucoup de miettes, tu vois, à chaque fois. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, soit tu leur mets une grosse pression et ils collaborent, ceux qui collaborent pas, tu les allumes et tu les vois plus pendant un mois parce que bah, ils se refondent, tu vois. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus, ouais, bah, après tant mieux pour nous, hein, mais ils ont plus la volonté de faire du vrai argent, tu vois. Des gros sous. Tant mieux pour nous, c'est notre boulot, comme t'as dit. Mais moi je suis content, tu vois. Je sais qu'au moins on fait bien notre boulot. La DOA a vraiment mis un coup de massue à tout le monde là. Et ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de me dire qu'on fait très bien notre boulot. Tu vas voir, hein, le LSPD, c'est bien. C'est plus comme avant, ça bosse très très bien. Il y a très peu de clowns, hein. Les seuls clowns c'est moi et certains mecs, alors que tu as vu, je suis beaucoup moins clown qu'avant. Hein. Ah si, il y en a quand même. Bon, rien que ta voix, c'est une voix de clown. Bah t'as fait encadrer, frère, qu'est-ce que tu crois, j'ai choisi mon accent quand je suis né, je parle comme ça. Mais non, tu parlais pas comme ça quand t'es né. Bah sur ma mère, je suis né comme ça, je laisse goulave mon père direct quand je suis né. Tu laisses goulave ton daron? Mais la vie de ma mère, je laisse goulave quand je suis né, je lui dis qu'est-ce que tu me donnes un accent comme ça, frère? C'est quoi ce goulave? Ma daronne elle est trop flax, mais c'est... je l'ai levé quoi, je l'ai baisé. Y'a des gens qui vendent des stupes encore ici ou pas? Non, pas du tout. Y'a beaucoup de magasins qui ont fermé, donc c'est moins prisé par les civils tout simplement. Donc moins prisé. Tu te rappelles cette voiture? Deux. Là, derrière. À droite là? Ouais. Ouais. Coup de feu, putain, c'est loin les coups de feu. Ouais, les coups de feu c'est vraiment loin. Non mais ici, laisse tomber, hein, y'a personne qui va. Hein. Pas vu depuis des mois. Là où ça vend beaucoup, c'est aéroport, Little Seoul, en ce moment université aussi. Vinewood. Ah mais t'as vu la voiture là, c'est la même que le mec qui avait tout à l'heure. Oui, peut-être qu'il est par là, ouais. C'est de faire un attentat avant de partir au Mexique. Ouais, oui, oui, non, on les connaît ceux-là, hein, tu sais. Revenez, vous avez 2 minutes avant d'être mis à pied. Oh, c'est cool, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes pour revenir. C'est dans le nord là. J'ai l'impression que le nord en ce moment c'est vraiment beaucoup plus animé, on va dire. Tu veux pas les radios BCSO, je leur demande si tout va bien. Mais il y a des mecs qui nous font chier, hein, des patriotes, vous allez apprendre à les connaître. De Orlando pour BCSO, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez besoin de renfort? Ok, du scat, parce qu'on voit beaucoup de shotfire, donc on se demandait. Bisous, merci. Attends, mais d'ailleurs, ah ouais, non, mais Glenn, tu le connais pas, toi, Glenn? Glenn, non, je le connais pas. Ça te dit rien, Glenn? Non. C'est le sous-chef de la BCSO. Ouais. Attends. Je le connais pas, Glenn, c'est Soulax qui le connaît. Si, je crois, il vous connaît, attends. On va voir. Je crois que c'est Soulax. Oui, Glendal, ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, très bien. Vous connaissez Riz 113? Et on connaît. Vous connaissez? Ah non, moi, personnellement, je le connais pas, non, mais... Je sais qu'il est connu, oui. D'accord, il est connu. Je suis connu. Oui, oui, il est déjà venu au BCSO faire des stages. Ah, d'accord. Okay, oh. J'ai cru que vous disiez qu'il avait du buzz, ce que je trouve absolument faux en l'occurrence. Il a fait un like sur Twitter, vous vous rendez compte? RT. Oui, ça c'est terrible. C'est moi que j'ai RT. Ah, merci. C'est quoi? C'est... Vous venez faire de la pub là? Non, 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 mais c'est juste, je vous demandais si vous le connaissiez. Mais, non, non. Je me trompe. En fait, c'est pas. Okay. Bon, bah écoutez, les as étaient presque alignés. Pourquoi? Vous voulez savoir quoi? Pour la misogyne crime division. Bah non, écoutez, non, si vous voulez, on part en patrouille, on peut essayer de... Bah on peut le refaire, hein, pour avoir des sentiments de nostalgie. Hein. Oui. Et là par exemple, tu vois, là par exemple les coups de feu, là, oui. C'est quoi là? Vous voulez qu'on fasse une DOA? Bah on est déjà, mais moi je vais pas tarder à prendre mon Dizis, on fera ça demain si vous voulez. Bah si tu veux, oui, on peut... C'est quoi tous les coups de feu dans le nord là? On a l'impression c'est Warzazat. Bah je sais pas, en fait c'est sur la Senior Freeway, il y a plein de trucs. Ouais, ah oui, ben... Okay. Bon, on va venir jeter un coup. Allez, oui. Bisous, Glendal. Bisous, je me fais les cheveux longs demain. Ok, ça marche, avec plaisir. Vas-y, bisous. Putain, vous connaissez pas Glenn, le bot. Révisez vos classiques, hein, quand même, Chronos. Ah oui, bah écoute, j'ai pas eu l'occasion de croiser ma route avec la sienne. C'est fou, quand même, qu'il reste que 2 agents. Il reste moi et Harper. Mais Harper, je sais pas comment il fait depuis ce temps-là où il est au LSPJ. Elle est où, Poupette? Bonne question, je crois qu'elle est morte. Elle est morte? Bah ouais. Mais bien sûr qu'elle est morte, Poupette, je me souviens. Comment elle est morte déjà? Comment elle est morte, Poupette? Comment elle est morte, Poupette? Attendez, je vais demander à Harper. Elle est morte, mais si, je me souviens, par des gangsters. Oh, tu suis. Bah, certainement... Ah oui, Epsilon. Oui, capitaine adjoint. Vous vous souvenez où elle est morte, Poupette? Oui. Où? Tu vois la grotte, la crique? Oui, où il y a l'ours là. Ah, mais là il y a un coup de feu juste en dessous de nous. On prend les bateaux pour aller à Alcatraz. Ah, oui, d'accord, oui, le trou, ouais. Mais c'est qui l'a tué? Epsilon. Ils ont forcé une agente à le faire. Ah, je me souvenais pas de ça, ok. Bon bah ça marche, bah merci de l'info. Bah j'ai on est dans son casier, j'ai retrouvé sa culotte, ça vous intéresse? Sa culotte, bah ouais, Riz, je pense que ça peut l'intéresser, ouais. Bah dites-lui quoi. Ok, bah, il vous a entendu. Ouais bah merci. Y'a pas de quoi. A bientôt. Yong Tfu aussi, tu as connu Yong Tfu? Attends, mais tu vois bien, là y'a des coups de feu à côté de nous. Oui oui, à droite là. T'aurais pu cut par l'herbe avant. Hein. En général, c'est quoi? C'est des rôles de véhicules. Mais moi j'ai rien entendu de mes oreilles en fait, c'est ça qui est bizarre. Bah c'est ça ouais. Après c'est pas très précis hein, les appels des civils. Oui ouais, ils appellent, ils courent un petit peu et tout et après ouais, ils appellent. Ouais, c'est pas totalement précis. Problème étant que ça nous aide pas pour le boulot. Y a quoi d'autre d'important? Encore coup de feu derrière. Non c'est devant, regarde c'est devant. Ils ont avancé. Qu'est-ce qui se passe? C'est un vol ça. Les deux, regarde, les deux. Y a un coup de feu. Oui, ouais, c'est ouais, devant. 10-35 sur les 10-31, monsieur. 22. Négatif, c'est le sergent 91 qui a volé un véhicule. Ah mais c'est ma gueule. Je suis en train d'interpeller. 10-4, merci à vous. Au placard celui-là. Oh. T'es vif, je l'ai même pas vu. C'est où? Ah bah il est parti, c'était un vol de véhicule. Non mais c'était le sergent qui a volé une caisse. Non mais il y a eu 1000 notifs de coups de feu. Non parce que le mec a dû lui tirer dessus. C'est le sergent-chef? Sergent 91. 113 pour 91. Bien écoute. C'est vous? C'était vous tous les coups de feu et les vols de véhicules à main armée? Oui. Non mais attendez, il y a eu 5 appels pour coups de feu. C'était vous ou c'était pas vous? Ah mais faites attention parce que moi depuis tout à l'heure ça fait 10 minutes je cherche là. Supprimer les appels. Comment? Supprimer les appels. Ah mais prévenez s'il vous plaît. Voilà mais lui nos coups de pression à ce trou du coup. Ah non mais regarde. Tout le long, guette tout le long de la Signora Freeway là. Ouais mais je crois que c'est d'autres mecs ça, c'est pas lui. Parce que, mais en plus, en général, quand c'est un flic qui tire, ça fait pas la... Y'a pas d'appel civil. Ah bon? Ouais, normalement. Hein. La plupart du temps, en tout cas. C'est-à-dire que le mec lui a tiré dessus, quoi. 22 drogue, Vinewood, tiens, juste à côté. Ça, c'est pour nous, ça. Ça, c'est exactement pour nous, chef. T'as l'iPhone ou pas, Baloui? Ah, la vente de drogue, c'est un fléau aussi, hein. Ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Les gros bandits, là, comme ça. Oui, moi, iPhone ça craint pas. Tant que t'installes rien, ça craint pas. Tu vois, ça c'est le genre de truc où j'ai pas de procédure, moi. Je les arrête, je reprends leur drogue, je les mets dans une ruelle, je dis, elle vient d'où, et s'il me dit pas, je pète sa gueule. Oui, bah oui, pareil. Voilà. Faut arrêter, au bout d'un moment, tu les amènes en interrogatoire, ils vont rien te dire. Moi, ça m'abonne des. Bah tiens, il a fait un vol à l'arraché en plus. On me le loupe pas, celui-là. Non, t'inquiète. Il doit être dans une ruelle s'il a volé un sac. Peut-être en train de le fouiller. Ah là là là, à droite. Hop 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 hop, tu bouges pas toi mon jeune, tu bouges pas. Lâche ça, enlève cette cagoule, enlève. Lâche le sac, enlève cette cagoule. Ah oui, je sais que ça. Eh oui mon jeune, et encore toi, et je te l'ai dit tout à l'heure non? Ouais. Je te l'ai pas dit, la main elle va se doubler à chaque fois que je te vois avec une cagoule. Oh c'est qui lui, c'est qui? Pitié, arrête. Vas-y, mais enlève ta cagoule, tu vas comprendre c'est quoi pourquoi il en met une. Vas-y. Ah oui. Voilà, regarde la tête de gueule, la gueule de con là. Hein? Oh, tu ressembles à Titeuf sur ma mère. Allez, va contre le mur, Bonne soirée. T'as une carte d'identité? Ouais. Déjà pour commencer, hop, tu prends une amende pour ta cagoule et je te dis hein, elle va se doubler à chaque fois, hein, tous les jours. Hein. Ouais, j'ai compris. Vous me faisiez le malin en course-poursuite, toi, hier, hein. Tête de vie que tu as, sur ma mère, tu ressembles à mon cul. Jude, tu t'appelles Jude. Jude, frère. T'as des stupes sur toi, t'as le truc à déclarer? Non, je peux lever les mains. Tu me fais le bandit, tu t'appelles Jude, frère. Bonne soirée. Garde-le. Qu'est-ce que tu caches dans ces joues là? Dans ses joues. caches dans tes joues là? Pourquoi elles sont aussi grosses là? T'as pas des trucs cachés dans ta bouche? Bah, tu peux fouiller, tu crois que je vais fouiller ta bouche? Qu'est-ce que tu as pété dans ce sac là? Bah rien, il est encore dans ma main, regarde. Et pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Tu veux qu'on te lève ou quoi? Non, j'essaie de me faire un peu d'argent. Un peu d'argent, faire un peu d'argent. Tu as 9 $, gros clodo. Bah justement, c'est ça le truc. C'est ça le truc, et tu veux pas te dire, tiens, je vais aller poser un CV, tiens, je vais aller travailler, je vais regarder les annonces de job, je suis pas un trou de balle. Non, bah, je te dis, je vais aller voler un sac. Je travaille au LS pétrole, mais ça rapporte pas beaucoup, donc du coup... Et bien ça te rapportera déjà plus que 9 $, donc déjà essaye de faire les choses dans le bon ordre. Tu lui as mis combien d'amende? Je lui ai mis 200 pour la cagoule, hein. Je l'ai pas encore amendé pour le vol. Et je t'ai dit, elle se double à chaque fois, donc ça va aller vite. Hein. Vas-y, ouvre le sac. Ouais. Ouvre le sac, si tu l'ouvres en moins de 15 secondes, tu prendras pas d'amende pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Merde, merde. Y'a quoi dedans? PC portable. Ouais. On en fait quoi de ce trou de balle là? Écoute, on va voir, hein. Toi, tu fais quoi avec les 12 là? Pourquoi tu habites chez eux? C'est quoi ça, Joule? Pouloulou? Comment ça, Pouloulou? Non, ça, c'est des anciennes cartes d'identité, faut que je les jette, d'ailleurs. C'est laquelle la bonne? Stevenson, Stevenson. Je suis connu en plus de service. Bah en fait mes parents ils s'appellent Pouloulou mais moi je voulais changer moi. Comment ça tes parents? Ils s'appellent comment? Moi c'est... Et ton père c'est comment? Moi. Stevenson. Et ton père? Stevenson, ma mère Pouloulou. Mais comment ça Pouloulou? Mais comment ça Pouloulou? Non mais attends, c'est quoi son prénom? Moi c'est Jude moi. Non mais ta mère. Oui c'est quoi le prénom de ta mère? Alissa. Ah oui, je me rappelle d'elle, Alissa Pouloulou. Et je me rappelle. Ce blast de Golmo. Mais si. Et ta grand-mère, la mère de ta mère. À l'unicorne. On l'avait déjà vu. Oui, bah oui. C'est Alissa. Alissa Pouloulou. Ouais, c'est ça. Et ton grand-père? C'est Paul. Paul comment? Bah Paul Pouloulou. Et la famille Pouloulou quoi, vous avez un arbre généalogique, oui, des grands-pères, des grands-parents, des inventeurs... D'origine congolaise mais moi j'ai pris le nom de mon père parce que Pouloulou c'est vrai que... on dirait un ami tout le temps. C'est vrai qu'on dirait un bac. On dirait un bac. Ok, bah écoutez monsieur Pouloulou... vas-y, arrache ta mère monsieur Pouloulou hein. Voilà. Ouais, de suite, être moche et s'appeler Pouloulou ça vous suffira non? Voilà. Au revoir. Allez, bonne soirée monsieur. Putain, du coup on a grillé la bagnole. En tout cas le vendeur de stup Pouloulou, non mais c'est... Le mec qui vendait de la drogue il devait pas être loin. Je pensais que c'était lui moi. Ah ouais je pensais aussi putain, je m'en remettrai jamais, c'est Pouloulou sérieux. Non mais genre quelqu'un a accepté ça. Bah je me pose la question. Qui est le Golmo qui a accepté Jude Pouloulou? BZK c'est sûr. Ouais la vie de ma mère. Je les tickets à moitié sur balle, sur ma mère. En même temps, vu le nombre qu'il en fait, c'est sûr que tu vois. C'est ma mère, mais c'est ça le problème. Il en fait 402 par jour, t'as pas le temps de répondre. Il a même pas le temps d'écrire bonjour, c'est quoi ta demande? Ouais, je laisse lui dire bonjour, Igo, je sais pas. Igo. C'est un truc de ouf. Ok, ah, Tarte Réseau. Quoi? Non, rien. Me fais pas le connaisseur, tes grosses dents. Putain mais faut quand même se rendre compte que j'étais sur Times Square avec Gazo, tu vois c'est ce genre d'époque qui me manque frère. En fait j'ai envie de te vanner mais le problème c'est que il va y avoir des dommages collatéraux. Qui? Tu sais qu'il y a... Mais moi je peux trop te vanner sérieux. Non mais parce que en vrai, là il y a un truc sur lequel faut que je t'avoue qu'on te vanne depuis des mois. Ça fait exactement 8 mois et 23 jours qu'on te... Que genre à chaque fois ça te vanne ouais. Qui? Sur un truc. Qui? Toi? Tout le monde. Mais qui? Toi et tes amis là? Ouais tout le monde. Ok, et ça dit quoi? Parce que en fait... Attends mais comment ça se fait que je suis pas au courant? Parce que genre c'est vraiment une vanne en off. En gros... Ah mais les gens ils savent pas? Non. Mais je vais vous baiser. Vas-y crève l'abcès parce que je vais te baiser. En fait tu te rappelles au nouvel an? Oui. Au bout d'un moment genre on a fait 5, 4, 3, 2, 1, on a dit bonne année. Et... Oui. Mais tu sais que je me souviens pas. Et genre de vrai. Ta meuf, t'es encore avec? Oui. Ok. Genre ta meuf, elle t'a rush pour te galoche. Ah ouais? Genre elle s'est levée de sa chaise. Elle a couru vers toi. Mais frère, mais attends, mais tu sais que ce genre de truc, je me souviens pas, genre. Et elle t'a galoche, et toi tu la galoches en retour. Y'a quoi de drôle, gros con, bah. Mais je fais le baiser. Mais je vais le baiser, y'a rien de drôle. Genre, elle a couru quand même petit lutin, genre pour te taper une galoche. Ah, comme un enfant, oui, c'est vrai. Oui, enfin. Oui, je crois, je me souviens. Oui, oui, bah oui. D'accord. Et du coup, ça t'a fait rire de ouf. Oui, parce que, en gros, nous, on a un truc. En fait, je t'explique. Ouais. En gros, dès qu'il y a un mec, il est avec une meuf et que, genre, tout le temps, ils passent leur temps à se galoche, tu vois. Ouais. Et ben, on dit, arrête de faire ton Blasix. Mais je vais vous baiser. Mais tu sais qu'en vrai, moi je suis comme ça de ouf hein, dans la vie. Mais genre en vrai par contre la citation est réelle parce que je suis oui, comme ça genre. Parce que dès qu'il y en a un tu vois genre... On dirait que je suis un prouveur. Tu sais il y a des couples qui sont pudiques et des couples qui sont pas trop pudiques tu vois. Par exemple tu vois, avec ma meuf bah, après, on est... Moi je suis pudique un peu de base. Hein. Tu vois, te rappelles avec ma meuf moi, nous on est grave pudique, on se touche même pas devant les gens et tout tu vois. Ouais c'est vrai, j'ai remarqué. Et ben genre dès que du coup il y a des couples qui sont genre l'inverse de ça, ben on dit arrête de faire ton Blasix. Ah, voilà, il fallait que je te dise, ça fait 8 mois. Non mais ça va en vrai, je m'en fous. Ça nous portefeuille, mais bon, ça va, parce que... D'accord, ça va. Bon voilà, au moins je te dis, j'en avais marre de faire l'hypocrite. Mais c'est pas grave, t'inquiète, je le prends pas mal. Oh. C'est très bien qu'on est mécano en plus. Si demain je suis à Liberty quoi. Mais t'es un bon, non t'es un bon. T'es un bon de ouf. J'ai hâte. Va mon champion, bonjour, descendez du véhicule s'il vous plaît. Allez les blacks là, vous sortez du véhicule. Voilà hein, hop, contre le mur. Hein? Ça c'est quoi? Ça plâtre? Fusillade c'est ça? Vente de drogue hein? Même pas, je me suis... Et vous c'est quoi? Allez, balle de pompe, ben oui, comme par hasard, hein, la drogue, les armes et voilà. Allez, y'a même pas d'armes dans la boîte à gants. Y'a même pas d'armes dans la boîte à gants, Orlando. Bah alors ça, mais ils doivent les avoir sur eux. C'est ça les armes, elles sont sur moi? Non, on a rien du tout. Tourne-toi. Oui. Et vous? Pas d'armes? Mais non, on a rien sur eux. Mais non, on a rien. Sean Frost, ah putain les Frost, vous me bandez. C'est Han, c'est pas Sean. La voix flashée, elle a Ghost. Alors, quand elle s'appelle Sean, elle a Ghost, elle courait comme Lilia. Vous voyez Lilia comme elle court ou pas? C'est Han, tu sais pas lire. Oui, bon, notre mère ne vous aimait pas tant que ça. D'accord, bon. Vous avez la carte d'identité, le truc? Putain, la carte grise. Non. Non, on l'a pas. Hein? On l'a pas. Vous l'avez pas, il est à qui ce véhicule? Il appartient à Joey. Comment c'est quoi son nom de famille? Joey, je sais pas quoi. Trouve le bon non, parce qu'on va vérifier la plaque et si c'est pas bon, on vous arrête. Joey commun, vas-y, Joey commun. Non, c'est J-Ace, mais la plaque, on l'a acheté sur Marketplace, du coup, enfin, il est fiché comme à l'ancien propriétaire. Oui, vous êtes fiché par contre, ça c'est sûr. Non, on n'est pas fiché. Oui, mais pas moi. Non, je suis pas fiché. C'est qui ça? Bah, on l'a acheté sur Marketplace. Vous les croyez, vous, Riz? Ouais. Merci. Moi non, enfin, quelqu'un de bon. Non mais il veut faire son mec tolérant ici. non mais vraiment bon, je les crois. Il veut faire son gaucho hein, vous voulez faire votre gaucho c'est ça? Bah allez pas de soucis messieurs. Il est de droite de base? Ou d'extrême hein. Ouais d'accord ok. Le connaissant très personnellement... Oh, si je peux me permettre Orlando t'es mal placé pour en juger. Je... Ouais. Ouais. oui. Vous des petits coups de soleil monsieur quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça c'est caillou ça. C'est coup de soleil. Bon allez, ouais. Circulez messieurs. Allez bonne soirée messieurs. La preuve, hein, je suis un gros chaud, je vous laissais vos balles de pompe, hein. J'ai fait genre je les ai pas vus. Bah, c'est normal, je suis un chasseur. Oui, un chasseur, oui. Bah c'est vrai, j'ai de la viande. Mais jamais de la vie, tu crois qu'un trou de balle comme ça, ça va fusil à pompe? Ah bah ouais. Bah il va se prendre une balle de fusil à pompe en tout cas. Peut-être qu'il s'est tiré dessus tout seul en l'utilisant, tu vois. Ah là. Bonne soirée. Bonne soirée. Non mais t'es un pote quoi. T'es un bon pote. Les bâtards ils ont dit elle a couru comme Lilia. Mais je sais pas si t'as la rêve de ça toi. C'est qui Lilia? C'est dans le jungle? Oui. Bah bien sûr j'ai la rêve. Bah, tu vois comment elle court. comme Lulu quand elle doit mettre un shield à quelqu'un qui a un HP. Ah ça je vois pas comment elle court Lulu. Oh. Pète les couilles toi. On prend 10-10. Ok mais moi je dois t'assumer un petit truc. Quoi? Et ça m'a vraiment gêné au nouvel an. Quoi? Bah en fait moi je suis arrivé en mode ouais les gars, grosse soirée tout ça. Let's go tu vois. Ouais. Mais j'ai commencé à boire et tout. Genre, me dit, ouais, la boum, quoi, let's go, ouais. la boîte de nuit. Ouais. Frérot, j'étais un peu bien, quoi. Ouais. Mais j'étais le seul bien. Du coup, je me nerfais de ouf parce que j'étais en mode, ah, les gars, trop marrant, quoi. Et je faisais des blagues, mais tu sais, parfois je flopais de ouf. Tu sais, moi, quand je suis un peu alcoolisé, je floppe de ouf, je suis un gênant, quoi. Ouais, ouais. Je suis trop sociable parce que de base, je suis un peu introverti. Et du coup, j'étais un peu trop sociable. Je me suis nerfé de... Ah merde alors. Non, faut... Ça va, monsieur? Ah, je vous ai pas vu, vous étiez en train de cabrer, du coup j'ai pas fait gaffe. Ah putain, non. Aïe 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 aïe. Attends, tu finiras ton histoire après, Rolando. Ah mais c'est Pouloulou. Ah oui, c'est Pouloulou. Ah oui, Pouloulou, il s'amuse à cabrer, du coup on le voit pas. Relevez-vous, Pouloulou, relevez-vous. Vous êtes des malades ou quoi, vous? Relevez-vous un instant. Non mais t'es mort là. Film. Oui, il est mort. Ah, regarde-moi ça encore. Oh, ça va, Pouloulou, vous allez bien? Bah écoutez, c'est le danger de faire des circulez, monsieur police. Des wells. Des wheelings. Des wheelings. Des wheels. Oui, on a une ambulance là, bordel. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que la route c'est fait pour faire des roues arrière? Oh, j'avais mon téléphone à la main en plus. Putain, mon téléphone il est où? On l'a écrasé, il a sauté, il a fait wouloulou. Vous êtes fou, monsieur. On se détend, hein. Vous m'aimez pas, vous m'aimez pas, genre. Mais en plus y'a pas de plaque d'immatriculation là sur la moto et tout là, je vais lui mettre un sabot, hein. Attends, je vais garer le véhicule. Oh. Elle est réglementée cette moto, chicane. Non mais les sourcilleux. Ils froncent les sourcilleux. Arrête de froncer les sourcilleux. Les sourcilleux. Mais non, c'est pas réglementé, c'est un cross. Bah ça peut être réglementé un cross, hein. Bah non. Bah, y'a pas de plaque. Une 50. Mais y'a pas de plaque. Non, c'est pas réglementé, Bien sûr que non. C'est pas réglementé, bah immobilisation du véhicule, quoi. Non, pitié, s'il te plaît, Orlando, s'il te plaît. Mais 300. Oh. 300, mais j'ai mis 500, moi, tu es con, quoi. 500. C'est golemon, lui. J'ai écrit véhicule de merde sur la contravention. Ça vous apprendra, d'accord? Vous venez de m'écraser, les gars, s'il vous plaît. On vient de t'écraser parce que tu faisais des wheelings. Tu veux qu'on t'amende pour les wheelings aussi? Non, c'est bon, Pas de casque, des wheelings. Bonne soirée. Mais regardez la gueule que j'ai, je peux pas mettre de casque. Votre gueule vous empêche de mettre un casque? Oui, je suis enrobé, regardez, j'ai des joues qui sont énormes. Vous voyez pas que je suis déjà enrobé, j'arrive même pas à perdre de poids. Ah putain. Radio, c'est un PMU sur ma mère, c'est quoi ce merdier là? Bon allez, ok. Moi je me cache, je vais dormir. Bonne nuit. Alors nous, t'es mort. Oui, je suis mort. Arrête de menacer, arrête. J'ai 200 cas sur ma tête, je vous attends toujours, hein. Quoi? Oui, mais c'est un pouloulou en fait. Voilà. Les pouloulous ne prennent pas de coups de taser, il faut le savoir. Demain, quelle heure? Demain, 22h. De quoi 2h? 22h. Ah. Je suis à peu près là dans ces eaux-là, moi. Vas-y, moi de toute façon, je vais arriver vers 21h30, je pense. Oh, le suceur, tu montes en grade, toi. Ouais. C'est à quelle heure le dispatch? Bon, c'est... je crois qu'il y en a un vers début, vers 21h, et après il y en a un vers 22h, je crois. Vas-y, allez. Bonne nuit, mon vieux. A plus. Ciao.